Laisse. Néama. C'est moi, Patrick. Patrick quoi? À cette heure de la nuit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent. C'est urgent. Très urgent. C'est vrai ça? Naï, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi d'abord. Norma. Attends. En tout cas, il est déjà 3 heures. C'est déjà jour, il fait déjà jour. Hein? Oui, tu sais, comme tu viens de finir ton veuvage, hein? La tradition demande que je prenne la relève de mon frère, mon défunt frère, ton défunt mari. Hein? Prends soin de ce que tu manges et de s'assurer que tout va bien. Hein? C'est ça. Naï, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Hé. Hey. Bien. Comme maintenant, Willy, mon défunt frère n'est plus là. C'est mon devoir de prendre sa place. Hein? Et de s'assurer que vos besoins sont satisfaits, y compris tes besoins personnels. Je sais que tu vas aimer cette partie. Je sais que tu vas aimer cette partie. Je sais. Merci, Naï. J'ai vraiment apprécié. Merci. Mais tu as une famille que tu dois prendre en charge. Mais Norma, je ne me plains pas. Je ne vais pas me plaindre. Hein? Hein? Au moins, je dois faire mon... Je dois prendre soin de tes besoins, principalement ceux qui sont nécessaires. Quel genre de nécessité? Naï, s'il te plaît, parle-moi de ça. C'est juste comme Tico-Tico, non? C'est quel genre de bêtise, Tico-Tico? Norma, calme-toi. Tu iras au lit. Norma, calme-toi. Tu sais, Norma. C'est pour ça que tu es venu à cette heure de la nuit? Norma, calme-toi. Bico. Va-t'en. Sors de chez moi. Norma, vas-y doucement, non? Hein? Aide-moi. T'aider en quoi? Combien de temps je dois attendre pour ce géant de nuit? Hein? Mais aide-moi, ce truc est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Va chez ta femme et donne-lui. Biko, pars, je vais crier haut. Je vais réveiller tout le monde dans ce quartier. Norma, calme-toi. Sors, quitte ma maison, sors. Norma, ici c'est la maison de mon père. C'est la maison de mon mari. Va-t'en, je vais crier maintenant. Je vais alerter tout le monde. Pars, non. Oh. Tu me renvoies de la maison de mon père. J'ai dit sors. Quelle maison de ton père? Sors, c'est la maison de mon mari, hein. Va-t'en. C'est la maison de mon père. C'est la maison de mon mari. Pars. Va prendre soin de ta famille. Ok. C'est quel genre de bêtise comme ça? Va-t'en, sors, dégage. Bébé, viens un peu. What are you hiding? Rien. Alors viens m'embrasser. Hein? Viens m'embrasser. Approche-toi, non? Mais bébé, viens m'embrasser.
Ça va, j'ai pas envie de t'embrasser pour le moment. Oh, tu ne veux pas m'embrasser? Écoute, je ne cache rien. Viens ici. Viens, bébé. Allez, embrasse-moi. Ok. Ah! Passe encore. Oh, écoute, donne-le-moi d'abord, s'il te plaît. Donne-le-moi. Bébé. S'il te plaît, il y a le numéro dessus. Donne-le-moi d'abord, s'il te plaît. Apporte-le. Bébé, je crois déjà t'avoir dit de ne pas gaspiller ton argent avec ça. C'est mauvais. Bébé, sois relâche. Naija bête n'est pas un péché. Ce n'est qu'une plateforme pour essayer sa chance. Écoute, nul ne le sait. La chance peut sourire à moi un jour. Donc s'il te plaît, remets-le-moi. Arrête d'en faire une habitude. D'accord. Puis-je la voir? Non. Tu tiens mon destin haut. Quel destin? Ha! Remets-le-moi. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Jusqu'à ce que tu vas me promettre que tu ne vas plus jouer à ces jeux. Ok, je promets, je ne vais plus parier. Puis-je avoir le papier? S'il te plaît, non. Hein? Ok, je promets. Hein? Je promets, je ne vais plus le faire. Je ne vais plus le faire. Hein? Ce n'est pas mal, c'est juste pour essayer ma chance, d'accord? Hein? Alors je promets. Je ne vais plus le faire, je ne vais plus le faire, je promets. Hein? S'il te plaît, non, je t'en supplie, s'il te plaît. Au nom de l'amour. S'il te plaît. Ah. Viens. Viens. Maintenant, dis-moi. Comment va maman? Maman va bien. Mais elle est toujours affectée par la mort de mon père. Avec le temps, elle va le surmonter. Et Chisom? Ah, sœur Chisom, elle va bien. C'est juste qu'elle est fâchée contre maman. Elle ne s'entend toujours pas avec maman. Je ne sais pas. Avec le temps, elle va en revenir. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Combien de garçons t'ont fait la cour aujourd'hui? Combien? Personne. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Oui. Es-tu sûr? Oui. Je vais commettre le meurtre. Papa, j'aimerais parler avec toi. Vas-y, je t'écoute. C'est au sujet de ton terrain, sur les collines d'Achiara. Oui, c'est quoi le problème avec ça? Je sais que tu n'exploites plus le terrain là. Oui, mon fils, tu sais, je vieillis.
gravir les montagnes et les longs voyages sont devenus un problème pour moi. Alors... Je veux utiliser le terrain là, papa. Ouais. Comment ça? Je veux le mettre en bail et utiliser l'argent pour poursuivre mes études. Ah, est-ce pour cela que tu demandes permission? Fais-le, c'est aussi ta propriété. Vas-y, fais-le. Merci beaucoup, papa. D'accord. C'est une bonne idée. Vas-y, fais ce que tu veux faire avec. Merci beaucoup, papa. D'accord, mon cher. J'espère que maman va très bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Es-tu sérieux? Tu te souviens de notre terrain là? Sur les collines d'Achiada? Oui. Vous pouvez cultiver ça jusqu'à nouvel ordre. Comment? Es-tu sérieux? Ouais. J'en ai parlé à mon père et il a approuvé. Oh, merci. De rien. Merci, je t'aime. Que pourrais-je faire sans toi? Je t'aime plus. Tu m'as appelé? Ouais, je t'ai appelé parce que je m'ennuyais étant seule à la maison. Alors maintenant que je suis là, tu t'ennuies toujours? Non, bien sûr que non. Il y a quelque chose que je veux te dire. Vas-y, j'écoute. Il est temps pour toi, ta sœur et ta mère de vous réconcilier. Très important. Ma mère n'a aucun problème. C'est ma sœur. Grande sœur Chisom. Ma mère a essayé de l'appeler à maintes reprises, mais elle refuse toujours de lui prêter son oreille. Mon ami, comment s'est passé le procès? J'ai oublié de quoi je suis capable. On a gagné. Oh. Pourquoi je te parle? Il est libre comme un oiseau. Oh! Je suis contente pour toi, ma chérie. Je vois que tu aimes beaucoup ton boulot, hein? Tu peux le dire encore. Merci. Merci. De rien. Mon amie avocate. Tu auras notre procès quand? Allô? Oui, c'est l'avocat Chisom au téléphone. Oui, en quoi puis-je vous aider? Ah. Ok, merci, monsieur, pour les compliments. Malheureusement, je suis en congé. Et je vais reprendre le cabinet au mois de novembre. Non, monsieur, vous n'êtes pas censé m'attendre seulement. Vous pouvez contacter d'autres avocats. Oui, mettez-vous en contact avec l'un d'eux. Non, monsieur, vous n'avez pas besoin d'attendre. Il y a des avocats qualifiés là-bas. Ok, bien, comme vous insistez. On se verra demain au bureau. Ok, d'accord. À demain. C'était qui? C'est juste un client qui veut me rencontrer demain pour son cas. Alors que je lui ai dit de contacter d'autres avocats parce que je suis en congé, mais il insiste que nous puissions nous voir. C'est très bien. Je suis contente pour toi, chérie. Tu es partout. Tout le monde cherche l'avocat Chisom. Tu peux le dire encore. Allez, donne-moi 5, ma chérie. Je suis très fière de ma profession, tu le sais. Quel est son problème? Je t'ai même surpris par la façon dont elle a quitté après l'enterrement de votre père. C'était trop soudain. Mon cher, ça a été une surprise aussi pour moi. Mais as-tu essayé de l'appeler? Essayons de l'appeler voir. Ok. C'est une bonne chose. Je suis fière de toi, ma chérie. Ma chérie, encore un appel. Allô, grande sœur. Oui, Ebere, comment tu vas? Je vais bien. Alors, ton boulot? Oui, ça va. Bien que c'est stressant, mais ça évolue bien.
grande sœur. Oncle Patrick nous maltraite beaucoup. Il nous rend la vie très difficile, maman et moi. Écoute-moi, Béré, je te l'avais dit et je le répète encore. Peu importe ce que tu veux me dire, juste dis-le. N'implique pas cette femme. Grande sœur, arrête de dire ça. Nous sommes le seul membre de ta famille. Ça va aller. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma petite sœur. Elle veut me dire comment notre oncle est en train de la maltraiter avec soi-disant notre maman. Ah ah! Chisom, je ne reviens pas. C'est ta mère que tu traites de ces noms? Non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les problèmes familiaux. Je n'ai pas de maman. Quoi? Je suis prête à partir de cette famille. Chisom, nous avons tous ce qui se passe dans des familles. Nous tous, nous avons des problèmes dans nos propres familles. Mais c'est pas comme ça qu'on doit les résoudre. Hein? On ne peut pas le traiter sans l'amour. Écoute-moi, Tracy. Peu importe ce que mon oncle est en train de faire avec cette femme, ça ne me concerne pas. C'est comme je disais tantôt. Tu ferais mieux de changer de sujet. Merci beaucoup. Chisom, es-tu sérieuse? Je voulais dire, c'est sérieux? Odogu. Odogu. Mon frère, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Ah, mais j'allais vers chez toi, non? Es-tu sérieux? Ouais. Ah, j'allais chez mon amour et Béré. Ah, j'espère que tu vas bien. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'aimerais t'informer et te rappeler pour que tu l'aies très bien en tête que c'est toi qui vas diriger la prochaine grande réunion qui aura lieu. C'est ton tour. Je ne serai pas disponible le jour-là. Ah, pourquoi? Mais je vais y réfléchir. Attends, n'y pense même pas. Hein. J'espère que tu te souviens de la peine qu'on inflige, hein, pour refus de diriger la grande réunion. Obina, je le sais. Je suis prêt à payer, mais je ne serai pas disponible le jour-là. Ah, ah. Attends un peu, si je peux demander, quelle est ta raison? Une autre question? J'ai dit que c'est une raison personnelle. Ok, si tu veux savoir, le jour là, j'irai cultiver pour mon amour et Béré. C'est clair maintenant. Attends, c'est à cause de la fille. Hein? Donc c'est à cause de ta meuf. Ah, Obina, tu es là. Ah, salut. Chérie. Bon. Oh, ça va? Comment tu vas? Bien, merci. Comment va ta maman? Elle va parfaitement bien. Oh, Chima, je venais chez toi. Chez moi? C'était chez toi aussi que j'allais. Ok. Tu sais quoi? Vas-y, je vais te rejoindre dans quelques minutes. Oh, je crois que j'irai t'attendre chez toi. En attendant, j'ai quelque chose pour toi. Voici 10 000 naira. Mmh. 5 000 pour toi, 5 000 pour maman. Maintenant, vas-y, je vais te rejoindre dans un peu de temps. Ok? T'en fais pas. Une véritable femme. Chi! Obina, il a quoi? Fais attention avec tes dépenses sur cette fille. Oh. Regarde toutes les choses que tu fais et tous ces billets de banque que tu dépenses là. Un jour, un beau gosse débarquera là, de la ville pour la prendre et aller avec elle une fois ne pour toutes. Ne te soucie pas de ça. Apprends à donner sans attendre quelque chose. Ok, tu donnes sans aucune attente. Mais tu aurais dû me dire, j'aurais été là à Noël pour récupérer ma part. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as dépensé une telle somme pour tes parents? Tu leur as déjà acheté quelque chose ou donné du fric? J'en ai fini avec cette conversation. Et pour la réunion dont tu as parlé, je ne vais héberger personne le jour-là. Je ne serai pas disponible. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, je m'en fous. D'où Jésus? Grand frère. Pense à propos de la réunion, cette fille va te plonger dans le trouble. Hein? C'était quand la dernière fois que tu as acheté même un morceau de pain à ta mère? Hein? Et regardez-le comment il ne fait que compter l'argent. On dirait une banque centrale. Malade.
Fatima. What is the problem? Give me cap Melidia Fatima. What is the problem? Give me cap Melidia Fatima. What is the problem? Give me cap Melidia Fatima. What is the problem? Give me cap Melidia Fatima. Nekwa no pato. Oya mama ni jage no yaza. Kini kai me begi. Give me kama ni sepe me begi. Bata bata. Onyalola ni jage no yaza. Onyalola ni gini kaimu. Gini kama ni sepe me begi. Good is by chance, bad is by chance. Manoya jizi badi menu wabu gini kona cha. Manoya jizi badi wala mwenabu gini koge weta wama. Bata bata, bata, bati bati ya. Uncle bati riki, bati yoralo na kagari. Chineka. Chineka. Maman, s'il te plaît, Ebere est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Ton père va venir ici pour m'insulter. Qu'est-ce que tu... Réponds à la question. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Papa, Combien de fois je t'ai dit de rester à l'égard des gens méchants et misérables? Maintes fois, papa. Maintes fois? Maintes fois, mais qu'est-ce que tu as fait, Berry? Mon papa, tu m'as désobéi. Hein? D'accord. Disparais-toi d'ici avant que j'ouvre mes yeux. Patrick, pourquoi es-tu si cruel à notre regard? Est-ce que tu t'es entendu? Tu as eu l'audace de m'appeler Patrick, sans toutefois ajouter Naï ou Ije. Même au pire des cas, Manze, est-ce que je suis ton camarade? Norma, je suis ton camarade. Écoute. Laisse-moi te dire. Tu veux tuer ma fille comme la façon dont tu as tué mon premier enfant. Hein? Patrick, je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Ah ah. Est-ce que tu t'entends? Tu n'as tué personne. Toi et moi savons ce que tu as fait. Toi et moi savons que tu sais ce que tu as fait. Ok. Si tu n'as pas tué mon premier enfant, alors retourne-moi mon premier enfant. Sinon, Norma, sinon, cette maison, cette misérable maison, ne t'hébergera plus. Parce que je vais te combattre jusqu'aux dernières gouttes de mon sang. Femme diabolique. Ebere, tu dors? Maintenant, je suis là, lève-toi. Mais qu'est-ce qui t'a retenu tout ce temps? Ah, c'est Obinao. Tu sais qu'il parle beaucoup, non? Il ne faisait que bavarder, blablabla. Désolé pour ça, d'accord? Ok. T'as dit que maman allait bien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Tu m'avais beaucoup manqué, c'est pour ça que je m'étais décidé de venir te voir. Tu me manquais aussi, parce que les sentiments sont mutuels. C'était chez toi que j'allais avant de rencontrer Obina. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Paris. Encore ça? Mais tu m'avais promis que tu ne le feras plus. Allons, bébé. Naja bête n'est pas un péché. Arrête de parier tout le jour. C'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est que je t'ai fauché. Alors, Naja bête était la seule option. Alors, arrête. Le pari est mauvais. Oui. Que je l'arrête. Oui. C'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Ok, alors remets-moi mon argent. C'est mauvais. Quel argent? Tu ne peux pas condamner le pari et utiliser l'argent du pari. Alors remets-moi mon argent. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, quoi? Oh, Tim, arrête. Quel argent? J'ai pas d'argent, arrête, Tim. Tu dis que c'est mauvais, non? Oh mon Dieu.
Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi laisses-tu les gens se moquer de moi comme ça? Pourquoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe! Qu'est-ce que je fais? Ginny qui était venue te chercher ici. Elle ne savait pas que son père le poursuivait. Lorsque son père est arrivé, il a commencé à m'insulter. Il a commencé à me dire des bêtises. Mais disant que c'est moi qui ai tué son frère. C'est quoi cette bêtise? Oncle Patrick a vraiment exagéré. Excuse-moi, maman. Non, non, non. Ne fais pas ça, maman, je t'en prie. Lâche-moi. On n'a pas à remettre le mal pour le mal. Seul le Seigneur va le juger. Maman, lâche-moi. Je ne vais pas m'asseoir et te laisser se faire insulter auprès de cet imbécile qu'on appelle oncle. Bien, bien. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Où est-ce que tu as eu ça? Maman, c'est Chima. Chima? Maman, il m'a remis 10 000 naira et il a dit que je prenne 5 000 naira pour mes cheveux et l'autre 5 000 que je te les remette. Chima! Ah! Ce garçon sera un parfait gendre. Maman, c'est juste un ami. Tu veux dire juste un ami? Tu penses que je n'ai pas Dieu pour voir, hein? Bien. Que Dieu bénisse notre ami en question. Maman, amen. Amen. Alors, où est le mien? Donne-moi aussi mes 5 000. Mais patiente. Oh, arrête. Donne-moi, hein? Donne-moi mon argent. Ok, attends. Tu vas utiliser 5 000 pour tes cheveux. Maman. Donne d'abord ma part. Ndideka. Ndideka. Papa? Ramasse ces assiettes. Va les déposer dans la cuisine. Merci, papa. Je vais te dire quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est? Papa, à part toi et maman, je n'ai pas d'autre personne comme mes parents. Je n'ai pas non plus un frère ou une sœur. À part Béré, et la tante Noma nous a beaucoup aidés. Même avant la mort de l'oncle William, et même après sa mort. Mais je ne sais pas pourquoi tu le hais comme ça. Je n'ai toujours pas su pourquoi. Ndideka. Papa. Tu es vraiment chanceuse que je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je viens de finir de manger mon plat préféré. Des ignames grillés accompagnés de l'huile rouge. Sinon, tu aurais eu le goût de ce qu'est le venin d'un serpent. Si tu me connais très bien, tu sauras que ce sujet est hors de discussion dans cette maison. Soulève ça encore. Et tu verras ce que je vais te faire. Maintenant, lève-toi et ramasse ces choses et dégage-toi de cet endroit. Dégage! Mais dégage-toi! Papa... Où est-ce que tu vas? Je vais visiter le champ de mon amour. As-tu oublié la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 29 novembre. Et ça ne te dit rien du tout? Oh, tu parles de notre réunion que je suis censé accueillir. Oui. Papa, je suis au courant, mais j'ai des choses plus importantes à faire. Écoute, je t'ai
soutiens. Je ne pourrai pas accueillir la réunion. La raison est simple. Je veux dédier aujourd'hui à ma femme et sa mère. Je veux aller sacler leur champ. C'est simple. Je comprends ce que tu dis. Que l'on n'arrive pas au point de dire que l'argent empêche le fils d'Agou d'aller dans une réunion d'études. Je vais te soutenir avec 5000 naira, mon papa, fils. Merci pour ton soutien. Mais l'argent n'est pas le problème ici. C'est une décision personnelle que j'ai prise. Je veux dédier aujourd'hui à ma femme et à sa mère. Je leur promis que j'irai sacler leur terrain. Et c'est là-bas que je vais. Donc, je ne peux pas accueillir la réunion là. S'ils veulent attendre un autre jour, c'est bon. Chima, papa, connais-tu les conséquences et les pénalités que tu cherches à t'infliger? Ouais, papa, je le sais. Je suis prêt à payer l'amende. Ah. Mais pour aujourd'hui, je ne vais accueillir aucune réunion. Je m'en vais aider ma femme. C'est simple comme ça. Ne me dérangez pas avec cette affaire de réunion. Au fait, accueille-les, je vais te payer. Chima. Bonjour, monsieur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Chima, oncle Patrick a mis le branche des palmiers. Dans notre état, il ne veut plus qu'on aille là-bas. L'oncle Patrick. Ok, allons là-bas. Eh, Chima, qu'est-ce que tu veux faire? Que suis-je censé faire? Aller au lit. Je m'en vais voir ce qu'il a fait et fais-moi confiance, tu sais ce que je peux faire. Écoute, écoute, écoute très bien. Il t'est strictement interdit de toucher à cette branche de palmier. Où que l'on place la branche de palmier dans ce village, personne n'y touche ni ne l'enlève. Calme-toi, on verra Patrick et on lui parlera. C'est un tabou. C'est la tradition, n'est-ce pas? Écoute, je vais briser. Au fait, je vais détruire la tradition là aujourd'hui. Tu vas voir. Chima. Allons-y. Chima, écoute-moi. Chima. Chima. Qu'est-ce qui est bon, monsieur, de l'après-midi? Je vois qu'à ton entrée, ne veut pas te respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Calme-toi. Quoi? Que veut dire cette foutaise-là que tu as faite? Bêtise, hein? Ouais. Moi? Qui t'a dit ça? Sur le terrain de ma petite amie, ne fais pas semblant. Ta petite amie, est-ce que je la connais? Je parle de Béré. Tu as 10 minutes pour enlever ces branches de palmier. Sinon, je te décapiterai. Okay. La branche de palmier qu'on a utilisée dans jouer sur le terrain, je leur ai dit d'enlever ça. Il n'y a rien là-bas. Il faut du simple homme pour enlever ça. Selon la tradition, c'est du tabou. Alors que je veux que tu ailles l'enlever toi-même. Non, ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est moi qui l'ai placé. Patrick là-bas. Bouge. C'est à cause de cela que tu tiens la machette. Patrick, je dis bouge. M'appeler au téléphone. Vas-y. Mais j'irai enlever ça. Vas-y. Tu sais, écoute, ce terrain... Ne me pousse pas à commettre le meurtre. Ok, c'est leur terrain. J'ai dit à cette femme que voici le terrain de ton défunt mari. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, hein? Enlever cette branche, simple branche de palmier, vous ne pouvez pas. Hein? C'est leur terrain. Ce terrain, c'est pour Norma et sa fille. Hein? Ce terrain, c'est pour Norma et Ebéré. Annoncia que j'aille enlever cette branche. Viens me forcer à aller enlever ça. De n'importe quoi. N'importe quoi. Au fait, pourquoi tu t'es arrêté? Hein? Non, ma sandale. Pourquoi tu t'es arrêté? Ma sandale. Je vais t'accompagner. Hein? Bien, oh. Oh, bien. Oh, bien. Non, ne cours pas. Laisse-moi t'accompagner. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Chima, hein? Tu es rentré. J'ai accueilli les jeunes de ta part. Es-tu sérieux? Oui. Tu as accueilli les jeunes à mon nom? Oui. Tu es le père le meilleur. Que faire d'autre? Merci beaucoup. C'est la moindre des choses que je puisse faire étant ton père. Alors, ce n'est pas grave. Ah,
Aïe. Donc mes garçons venus se sont amusés. Tel que tu vois, ils viennent de quitter. Aïe. Eh wow. Je sais ce que tu ressens. Les temps passés quand je faisais la cour à ta mère. C'est ce que je faisais, tu vois. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais juste remettre les bouteilles. T'inquiète, je vais t'aider à les arranger. Je vais t'aider à les arranger. T'inquiète, t'inquiète. Assieds-toi, assieds-toi, t'inquiète. J'ai rencontré le vaurien là, Patrick, et je lui ai dit d'aller enlever ces choses immédiatement. Papa, je vais continuer là où vous vous êtes arrêté. Je vais continuer de là où ce soir. Oui, réjouis-toi, nous, on venait juste de le faire. Et Josmark. Jamak était là, tu vois, il avait commandé... Je sais, Stout. Stout, oui. 7 bouteilles. Ah, Josmark, je le connais. 7 bouteilles. 7 bouteilles de Stout. Oui. Hey, Josmark, le gars la boit. Le gars la boit. Il a pris 7 bouteilles. 7 Stout. C'est comme s'ils étaient venus pour voir si tu étais capable de les recevoir. Ils étaient prêts à boire et ils l'ont fait. Maintenant, ils vont savoir que j'ai un père de capable. De quoi tu parles? Merci beaucoup, papa. J'apprécie. C'est bon. C'est bon. Je sais ce que tu étais allé faire. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Pas de problème. Hey! Bébé, tu vas bien? Pourquoi tu es à la mini-série? Depuis hier, je n'ai pas mangé. Quoi? Tu n'as pas mangé depuis hier? Que t'as donné de 6 à 18 heures? Arrête, c'est pas un jeu. Ce n'est pas le jeûne. Alors pourquoi tu n'as pas mangé? Nous n'avons pas d'argent. Vous n'avez pas de l'argent. Mais ça fait 3 jours que je t'ai donné 10 000 naira. Oui, c'est ça. Mais maman avait utilisé les 5 000 pour autre chose. D'accord. C'est à cause de ça que tu es triste? Hein? Souris, non. Ouvre un peu le réseau. D'accord? Ouvre le réseau un peu. Au fait, voici 25 000, hein? Ah, Chima, mais où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? Allô, je suis un homme et je suis au-delà de 18. Alors va à la maison, achète ce que tu veux et donne aussi à maman. Plus important, fais tes cheveux, ok? Je veux te voir radier, belle comme le soleil, hein? Donc essaie de faire tes cheveux, d'accord? Maintenant, ouvre le réseau. Ouvre le réseau, non? Ajoute plus de signaux. Au fait, élargis-le. Qu'il y ait du réseau partout. Wi-Fi gratuit. Élargis-le. Encore 2 signaux. Dis-moi, est-ce que ça pèse? Oui, maman, ça pèse. Qu'est-ce qui pèse? As-tu déjà transporté ce qui pèse plus? Sais-tu ce que j'ai transporté avant, lorsque j'étais avec ta sœur aînée? Ça se faisait longtemps. C'était quoi? Arrête-moi ça. Ça pèse vraiment. Ça ne pèse pas. Arrête-moi des bêtises. Ça ne pèse pas, ma chérie. Allons. What is the problem? You can't manage your fighting. Make one of the other. I am a man in the game. You can't manage your fighting. Donc, cette femme et sa fille ont enlevé la branche de palmier que j'ai placée à l'entrée du champ afin de les empêcher d'y entrer. Si elles l'ont fait, alors elles vont subir ma colère. Où sont-elles allées?
Voler dans le champ de quelqu'un? Hein? Que j'ai eu au champ? Pour vérifier. Il n'y a aucun signe de récolte ici. Où est-ce que cette femme et sa fille pourraient ramasser ces gros morceaux de manioc? Oh? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Que Noma et sa fille commencent à voler dans les champs des gens. Parce que si c'est ça, je vais maintenant contrôler tout leur mouvement. Et si je les attrape, je vais les exposer et je vais les humilier. Entre, non? Écoute, mon frère, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur. Il n'y a aucune raison d'aller à l'intérieur. J'ai eu une réunion d'urgence. Je suis juste venu pour t'avertir de quelque chose de très important. Et de quoi s'agit-il? Ago, tu sais que je ne t'ai jamais trompé. Je l'ai une fois fait? Non, pas du tout. Tu Papa Njide, bon après-midi. Hey, Wayoma. Et que Guimé? Comment va Njide? Elle va bien, elle va bien, elle va bien. Tout le monde va bien. Comment ça va? Oui, ça va. Eh oh, Dieu merci. Hein? Écoute, Ago, ça devrait être méchant de ma part. Méchant de ma part. De voir ce qui va t'envoyer dans ta tombe prématurément. Et de ne pas venir te le dire. Patrick, ça vient de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu été au champ de ta femme tout dernièrement? Le champ de ma femme? Je n'ai pas fini de travailler sur les miens sans parler de son champ à elle. Pourquoi? Aïe, Ago. Et au gant. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te dis que tu es un cadavre vivant. Tu penses que tu es en vie. Tu es déjà un homme mort. Patrick, c'est quoi tout ça? Je te dis que tu devrais ouvrir tes yeux. Ago, tu devrais ouvrir tes yeux. Mon frère, écoute ce que je te dis. Ouvre tes yeux. Hein? En fait, je pense que tu devrais visiter le champ de ta femme. Ouais. Tu devrais mener une sincère investigation sur le champ de ta femme. Mais qu'est-ce que je dois investiguer? Ago, parle-moi, tu me rends confus. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça, étudie être un homme. Go, 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 go. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, Ago. Ah, ah. Tu dois ouvrir tes yeux. J'ai vu Chima, ton fils. Et Mnoma, accompagné d'Ebere, dans le champ de ta femme, en déterrant deux paniers de manioc. Et ils les ont amenés dans la maison de Mnoma. Des tours après des tours après des tours. Maintenant tu me comprends, hein? Pas seulement ça. Écoute-moi très bien. Il prévoit même de s'emparer de tes terres agricoles, tes plus grandes terres agricoles à Atiada, durant la prochaine saison agricole. Papa, bonjour. Bonjour, mon ami, viens ici. Où est-ce que tu vas? Je veux aller voir Ebere et sa mère. Assieds-toi, j'aimerais te parler. Chima, tu dois vraiment être prudent avec cette famille. Patrick est un homme méchant. Papa, pourquoi tu dis ceci? Il était ici la nuit dernière.
me disant comment tu récoltes dans le champ de ta mère. Il m'a tout raconté. Il te l'a dit? Oui. Mais Chima, considérant le fait que je sois ouvert envers toi, pourquoi me mentirais-tu? Papa, en aucun cas je t'ai menti. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Cette terre à Atiada, à qui l'as-tu offerte? En réalité, je le sais déjà. Patrick me l'a dit. Tu l'as offerte à Noma et sa fille, n'est-ce pas? Tim, c'est pour cette raison que je te demande d'être très très prudent. Il n'y a rien sur cette terre que tu veux savoir que je ne sais pas. Écoute, la mort de son frère est encore un mystère. Personne ne peut nous dire ce qu'il s'est passé. S'il te plaît, sois très prudent. Je le ferai, papa. Je t'ai entendu. Mais j'aime Ibéré. Je sais que tu l'aimes. Une raison de plus pour être prudent. D'accord. Tu peux t'en aller. Merci, papa. Tout ce que j'ai fait pour frustrer cette femme et sa fille. Les étouffer afin qu'elles ne puissent pas vivre sans moi. Elles parviennent toujours à trouver le moyen de continuer à vivre, créant toujours d'autres opportunités de tous les pétrins dans lesquels je les plonge. Tout remerciement à ce mauvais garçon appelé Tima. Ago, est-ce que tu as toujours tes sens? En tout cas, laissez-moi voir comment elles vont s'en sortir sans un logement. Papa Njide, après tout ce que tu leur fais, tu n'es pas toujours fatigué? Et qui t'a invité ici? Tu dois savoir que ton frère ne se repose pas en paix dans sa tombe. Tout remerciement à Noma. Tout remerciement à elle. Comment? Parce que si mon frère n'a pas épousé cette femme, si William n'a pas épousé cette femme méchante, probablement il serait en vie en ce moment. Oui. Non, Chike, je n'ai pas encore vu une femme avec un bon cœur comme celle-là. Mais pourquoi tu fais tout ça? Demande-moi. Tu ne cesses de la mettre dans des troubles. Pourquoi? Tu es fatigué? Noma! Noma! Nojo! Nojo! Noma! Noma! Pourquoi cries-tu mon nom comme ça? Hein, Naï? Hein? Pourquoi est-ce que tu cries? Je crie ton nom. Hein, Noma? Donc, je suis maintenant un chien qui aboie sans raison. Je ne t'ai jamais appelé chien ou... Hein? Dans peu de temps, tu sauras que je suis ce chien qui aboie pour une raison. Noma, je te donne 3 semaines. 3 bonnes semaines. 21 jours. De déménager de cette maison. Ah ah. Tu m'as entendu?
Parce que, en tant que survivant, le seul survivant de cette famille, je veux utiliser la maison de mon frère. Oh, Naï, pourquoi tu nous traites de la sorte? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Hein? Parce que ton père paresseux ne pouvait pas construire une seule pièce. Maintenant, tu veux profiter de celle qui a été construite par une autre personne. C'est pas une autre personne. Il était mon mari. Non, moi je sais. Je sais qu'il était. Il était. Dieu merci que tu as utilisé le passé. Maintenant, il n'est plus. La mort vous a séparés. Naï, s'il te plaît. Permets que ma fille se marie dans la maison de son père. Biko. C'est ce bandit qui se pavane un peu partout dans le village comme diplômé. Est-il vraiment disposé et prêt à t'épouser? Hein? Moano, s'il te plaît. Hein? Attends que je meure. Hein? Attends juste ma mort. Comme ça, je serai enterré près de mon mari. Non, moi, je suis fatigué d'attendre. Non, moi, j'attendais. J'attendais et je suis fatigué d'attendre. Parce que ta vie n'est pas prête à te lâcher. Regarde-toi, au lieu de mourir, tu deviens de plus en plus jeune. Et je suis fatigué d'attendre. Oncle Patrick, donc ça n'est arrivé jusqu'au point où tu souhaites la mort de ma mère? Oh, tais-toi. Hein? Pourquoi vous gaspillez les biens et puis les ressources de mon frère? Écoutez, je vous donne 3 semaines. Noma, je vous donne 3 semaines. 3 semaines pour vous déménager de cette maison. Sinon, Noma... Sinon. Good is by chance. Bad is by chance. Manoya jisi bad in the new one. Abu kini kana chance. Manoya jisi bad in wala kwenda. Abu kini kage. Maman, nous ne partirons pas d'ici. Dieu merci, grande sœur Chisum est avocate. Elle va trouver le document de cette parcelle et nous défendre devant la cour. Mais c'est quoi ça? Ah. Maman, c'est bon, arrête de pleurer. Maman, aujourd'hui il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de client. Ah, oui. Dieu va nous aider. T'inquiète, Dieu va pourvoir. Naï, bon après-midi. Bonjour, monsieur. Tais-toi. Et garde ta salutation. Noma, le temps passe. Et je suis venu pour voir à quel point vous êtes prêt pour partir. Naï, Bikono. Bikono, on n'a pas un endroit où partir. Aie pitié, s'il te plaît. Noma. Noma, sais-tu que tu n'as pas de cœur? Tu me demandes comment? Comment? Noma, je me demandais encore si je devais te permettre de rester ou de partir. Je n'ai pas encore fini de réfléchir et tu as construit une boutique. Tu as même ajouté l'endroit où on fait frire chi. Et patate douce. Sans ma permission, sur ma terre. Mais on n'avait pas un autre moyen pour survivre, monsieur. On devait ouvrir ses shops pour trouver de quoi manger. Menteuse. Telle mère, telle fille. Alors, où est-ce que vous avez trouvé de l'argent pour ouvrir cette boutique et commencer à faire frire Ndoku dans ma maison? Où? Hein? Parce que, vous savez, vous êtes ces gens de personnes qui prétendent en train de mourir. Mourir! Qui sont à un pas de la tombe.
mais quelque part, ils construisent des étages. Naï, tu sais que c'est pas possible. Tu connais notre capacité. Hein? Alors, où est-ce que tu as trouvé de l'argent pour ouvrir cette boutique? Oh! Norma, je te donne 3 jours. Seulement 3 jours pour fermer cette... Peu importe comment tu l'appelles. Et enlever ces ordures et les jeter. Et puis déménager de la maison de mon père. Ça reste la maison de mon père. Ça demeure mon bien. 3 jours. Si tu ne quittes pas cet endroit dans 3 jours, ce que tu trouves, c'est ce que tu auras. Bêtise. Mère, tu ne veux pas mourir. Regarde-moi ça. Un peu partout. Crée du problème un peu partout. Hey. Quitte la maison de mon père. Bêtise. Hey! Qu'est-ce que je fais à ce Patrick? C'est quoi? Il est malade. Hey! Maman, ça passe pas. La connexion est mauvaise. Biko, Biko, essaye encore. Ok, ça sonne. Oui, Ebere, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Rien ne va, grande sœur. C'est quoi le problème? Grande sœur, oncle Patrick nous complique la vie. Et il nous a donné 3 jours pour qu'on dégarpisse de la maison. Et qu'est-ce que maman, désolée, cette femme, fait encore là-bas? Il veut déjà partir. Est-ce que cette phrase vient de toi? Oui, ça vient de moi. Ok, écoute, je viens du boulot. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour parler au téléphone. Grande sœur, tu ne peux pas nous abandonner. Maman et moi sommes la seule famille que tu as. Et pas que ça, nous portons le même sang. Bien. Je viens la semaine prochaine. Tu le feras? Oui. Je viens juste à cause de toi. Ok, merci grande sœur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle sera ici la semaine prochaine. Ah! Dieu merci, oh! Dieu merci! Ah! Qu'elle vienne affronter Patrick! Oui! Hey! Dieu merci, oh! Dieu merci, oh! Hey! Bébé, quel est le problème? Parle-moi. Chima, j'avais fait un rêve. J'ai t'appelé et tu ne te retournais pas. Tu as fait un rêve. Tu m'appelais et je ne me suis pas retourné. Chima, s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas jamais me laisser tomber. Es-tu sûr que tu as mangé avant d'aller dormir? Oh, tu m'arrêtes. Je suis sérieuse. Je ne m'amuse pas. Parce que c'est impossible, ok? On sommes ensemble pour toujours. Je ne peux pas t'abandonner. Soit tu n'as pas mangé avant d'aller au lit, ou bien peut-être c'est le symptôme du paludisme. Je ne peux pas t'abandonner. Nous sommes ensemble, ok? Chima, je suis sérieuse. Je t'aime, Chima. Ok. Fais-moi confiance. Je ne vais jamais t'abandonner, ok? Ok. Je t'aime plus. Je ne t'abandonnerai pas, ok? Thank you.
Cette fille, non? Hébert! Maman, ça veut dire que grande sœur Tissou ne va pas venir comme elle avait promis? Eh bien, ma chérie, je suis même pas sûre qu'elle va venir ici. Comment peux-tu parler de la sorte, maman? Même si elle ne vient pas, Dieu est avec nous. Il va nous aider. Mais je sais. Mais tu sais combien ça fait mal d'être dans cet état alors que j'ai une fille qui a beaucoup d'argent. Maman, je comprends. Ça fait très mal. Maman, t'inquiète. Maman?
C'est pas grande sœur. Ah ah, est-elle la seule personne qui a une voiture? Maman, on dirait que c'est elle. Le truc en question traîne, hein? Mon Dieu, ça vaut, ça vaut bon, ça vaut bon, ça vaut bon. Hey, yeah, yeah. Hey, ma fille. Ibéré, comment tu vas? Je vais bien. Oui, je peux voir que tu vas bien. Kizomo, ma fille, j'attendais que tu reviennes pour que Patrick sache que j'ai aussi une... une lionne pour une fille. Une juriste. Ma fille. Allez, arrête de raconter de bêtises. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je venais juste pour savoir comment tu vas de près. Bien, tiens, ça c'est pour toi. Comprends que je suis là que pour toi et pour mon oncle. Je ne suis pas ici pour cette femme. Grande sœur, et maman? Chisholm. 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 Maman. Je loge maintenant dans un hôtel. Et demain déjà, je crois que je vais rentrer à la cité. Si tu changes d'avis, on peut aller ensemble. Parce que ma maison ne peut se loger qu'une seule personne. Sous votre respect, grande sœur, je suis déçue. Ok, bien. Ça dépend que de toi. Mais si tu changes d'avis, comme je disais tantôt, tu sais comment me contacter. Je suis désolé de t'avoir énervé la dernière fois. C'est bon. Ça ne va plus arriver. Tu veux dire que ta sœur était passée devant votre maison et allait directement chez votre oncle sans même s'arrêter pour vous saluer? Pas seulement ça, Chima. Tu aurais dû voir le cadeau qu'elle avait apporté. Jilly Kama dit que sa mère n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ordinaire. Ma mère l'a aussi dit. D'accord, nous allons continuer cette conversation après. En attendant, tu dois aller à la maison, ok? Je dois... En fait, j'y arrive. Hein? Chima, je sais bien là où tu t'es rends. Bête. Allez, Chima, quand est-ce que tu vas arrêter de parier? Eh bien, Naija bête n'est pas un péché. J'arrive. Chima. Chima. What have we done for my love? I will do it again. I will learn your bashara of love. What have we done for my love? I will do it again. My can of love. I will run your bashara of ananigi. Just occupy my heart, yeah. Baby, up a sun so key. Only you dare my heart, yeah. Love, up ananigi. Just occupy my heart. Yeah. Only you, baby. Only you, dare my heart. Yeah. I will wait for you. Just occupy my heart.
Waouh! Félicitations, Chima. Tu viens de gagner 10 millions de Naira. Hey! Hein? 10 millions! Hey, je ne serai plus pauvre! J'ai gagné! J'ai gagné! Kedifo, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui me dérange? Oui. Maman, est-ce que j'ai l'air inquiet? Oui. Dis-moi, c'est quoi le problème? Ça veut dire que tu n'as pas les yeux spirituels. Ou peut-être que Béré est tombée enceinte? Maman. Oh, n'arrive pas. Maman, Béré n'est pas enceinte. C'est quoi alors? Dis-moi. Maman, je suis devenue riche. Hein? Je jure, je suis riche. Veux-tu savoir? Bien sûr que oui, je veux savoir. Que je te le dise? Oui. Tu ne vas pas crier. Oui, je t'écoute. J'ai gagné 10 millions de Naira via Naija Bet. Hein? Dis quoi? 10 millions, 10 000, 10 millions. Et Moukouagne? Ha! 10 millions. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Maman, j'ai gagné 10 millions. Non. Je ne peux pas te mentir. Arrête avec cette blague. Arrête avec cette blague. Arrête, s'il te plaît. Je ne veux pas de ça. Je ressemble à un pagailleur. Je ne veux pas élever la voix parce que les gens vont commencer à me demander ce qui s'est passé. Alors, je veux le garder secret. Maman, je jure, blague à part, j'ai gagné 10 millions de Naira de Naija Bet. 10 millions de Naira. 10 millions. Hein, tu as 10 000 ou millions? Maman, que veux-tu dire par 10 000 ou 100 000? Quand je veux dire 1 000, je veux dire millions. C'est où? C'est où l'argent? Dans mon compte bancaire à l'heure où nous parlons. Dans ton compte bancaire, je ne te croirai pas jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Ok, tu veux voir? Oui. T'inquiète, je vais te surprendre. 10 millions de Naira. 10 millions de Naira. Ne le dis pas aux gens. Baisse la voix. Pourquoi tu lèves la voix? 10 millions de Naira. Jibi. Hé! Naija Bet, 10 millions de Naira, c'est ce que j'ai gagné. Liquide. Blague à part, maman. 10 millions de Naira. Maman, liquide. Hey. Oh non. Je dois le voir. Mon solde. Hey! Tim! Vous avez vu mon solde. Ogoma! Emmanuel Yabukozuoko. C'est mon qui fils. Qui a dit que mon fils ne serait pas quelqu'un dans la vie? Où sont toutes ces personnes qui disaient que mon fils n'est qu'un amoureux villageois? Maman, hein? Tu dis tout ceci parce que je suis maintenant un multimillionnaire. Oui, oh. Tu te souviens du jour où j'ai volé ton argent? Oui, je me rappelle de ce jour. Bien, tu m'avais taxé de voleur villageois, champion villageois, bla 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 bla. C'est pas pour, je ne l'ai pas fait. Et même si je l'avais fait. Ce n'était pas vraiment ça. Je ne peux plus blaguer avec mon fils. Hein? Non, ma. Dieu nous a fait ça, oh. Chima est devenu millionnaire. Comment je peux par ces mêmes bouches que j'utilise pour manger les ignames et le patate appeler mon riche fils un voleur du village? Mba, non, ce n'est pas possible. Hein? Tu n'es que Kwena. Hé, les femmes sont l'argent. Hé, l'argent? Les femmes, hein? Mon fils. Avant que je n'oublie, quel est ton projet pour cet argent jusque-là? Parce que c'est une grande somme d'argent. Ok.
Mon plan pour ce 10 millions de naira, c'est... Je donnerai à mon amour Ebere et à sa mère une partie. Donner à toi une maman une partie. Je voyagerai avec le reste pour accomplir mon rêve d'être détenteur du diplôme master. C'est bon, je suis d'accord avec toi. C'est bon, les études d'abord. Hey, mon fils, mais tu sais, l'argent que j'ai utilisé pour sponsoriser ta réunion l'autre fois. Nanye, toi, non, toi avec l'argent, tel père, tel fils. Ok, je vais te faire le transfert. voilà que tu parles. Tima. Je vais te faire le transfert. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Hey, mon fils est millionnaire. Est-ce que tu te rappelles de mon rêve? Ouais. Maintenant, le rêve est en train de devenir réel. Je comprends ce que tu ressens. Je suis en train de voyager pour notre propre bien. Si je réussis et retourne, tu vas en jouir toute ta vie. Chima, si tu m'abandonnes, comment je ferai? Écoute, je promets, je ne t'abandonnerai pas, ok? Je te promets que tu seras une bonne fille pendant que je ne serai pas là. Ça va. Et sur tes larmes, hein? Ça va aller. Papa, je suis prêt à partir. Okorobia. Moi, Dinamo. Asa, Dina, le bosseur. Tu es juste comme ton père. C'est pourquoi tu ne m'as jamais quitté des yeux. Mon fils, rappelle-toi tout ce que nous avons dit. Sache la raison pour laquelle tu es là. Quand tu arriveras là-bas, souviens-toi de qui tu es le fils. Et sache d'où tu viens. Applique la sagesse dans tout ce que tu fais. Et je pense que tout ira bien. Je le ferai, père. Je le ferai. Ne pleure pas. Ebere, n'oublie pas de venir de temps en temps pour aider maman. Bien sûr. C'est aussi la mienne. Que tu sois là ou pas, je prendrai soin d'elle. Odogu, bonne allée, hein? D'accord. Gwano, Ijomao. D'accord. Oui, hey, allez, monsieur. Comment tu peux oser entrer dans mon bureau de cette façon? Désolée, madame. J'essayais de l'empêcher, mais il ne voulait pas. Ok, c'est bien. Laisse-moi gérer ça. Rentre dans ton bureau. Merci. Comment oses-tu prendre mon argent et ensuite refuser de défendre mon fils devant le tribunal? Hey, allez, monsieur.
Je t'ai dit que j'étais occupée. Ne me parle pas comme un simple monsieur. Je suis chief Alusiego premier du royaume d'Ibo. Si tu étais occupé comme tu le dis, pourquoi n'avais-tu pas envoyé un autre avocat pour te représenter devant la cour? Un avocat aussi compétent comme toi. Monsieur, peu importe comment on t'appelle, ce n'est pas comme ça que j'implique les gens dans mes affaires. Dans ce cas, fais ton travail. Ou soit rembourse mes 8 millions de Neira. Tu connais bien le principe et tu sais bien que l'argent versé n'est pas remboursable. Alors je ne le ferai pas, désolé. Alors tu dois travailler pour ça. Si tu es incapable, dis-moi et je trouverai un avocat plus intelligent pour résoudre ces cas. Hein, pardon? N'essaye pas de m'étonner dans mon bureau. Si je le fais, c'est parce que tu es arrogante. Tu penses que tu es la meilleure avocate de cette ville? Bien sûr que oui, je le sais. Sinon, tu ne serais pas ici dans mon bureau. Laisse-moi t'avertir. Si quelque chose arrivait à mon fils, je vais te poursuivre. Je porterai plainte contre toi. Oh, waouh, waouh, waouh. Tu vas porter une plainte contre oui. moi? Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Écoute-moi, monsieur. Je fais la loi. Et je peux autant les briser si je veux. Allez, dégage de mon bureau. Dégage. Très bien alors. Mais si tu échoues cette fois-ci, je te dirai pourquoi on m'appelle Chief Olusiego Premier du royaume d'Ibo. Sors avant que je n'appelle la sécurité. Dehors. Des sottises. N'importe quoi. Mais tu veux dire que tu m'as étalé à l'étranger? Oui, et il me manque déjà. Il était parti depuis hier. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone ne passe pas. Eya, tu sais, dans la vie, nous ne devons pas négliger les gens. Parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Personne ne connaît demain. C'est vrai. Tu as de la chance, oh. Je suis très contente pour toi. D'ailleurs, il nous avait laissé la somme de 2 millions de Naira. Maman en avait pris une partie pour aller acheter ses marchandises. 2 millions? Oui, 2 millions. Né, arrête ça. Pourquoi tu veux mentir? 2 millions de Naira? Jamais. Tu ne me crois pas? Oui. Ok, d'accord. Tu me crois maintenant? Oui, mais Ebere, tu ne dois pas garder cette somme d'argent à la maison. Tu devais le mettre en banque. Je le garde pour que les gens comme toi puissent y croire. Ebere, quelqu'un peut te surprendre avec cette somme d'argent, tu sais? Allez, mais pourquoi tu dis ça? Mais nous l'utilisons. Regarde là, tu fais comme si tu avais déjà touché cette somme d'argent. Maintenant tu fais la grande dame, hein? Mais bien sûr que je suis une grande dame. Regarde, Ebere. J'arrive. 2 millions. Hey. Effrayant. Ok, on y va à la ferme. Ok. Ebere, ma chère, tu as de la chance. Oh. Je suis très contente pour toi. Papa, je veux te dire quelque chose. Papa, est-ce que tu sais que les troubles qu'on peut causer aux autres ne peut être que pour un temps? Il arrive toujours un moment où ce qui était troublé devient le plus fort. Jileka, c'est quoi? Cette histoire de troublé? Qu'est-ce que c'est? Les traitements que tu donnais à Ebere et sa maman leur a ouvert une porte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu as avec ces misérables? Papa, arrête de traiter la famille de ton défunt frère comme des misérables. Ils sont autant des humains comme moi et toi. Si elles ne sont pas des misérables, alors dis-moi, qu'est-ce qu'elles sont? Tu peux le voir comme tu dis.
Mais ces personnes que tu maltraites maintenant vivent mieux, sont plus riches que nous. Radio sans batterie. Comment? Premièrement, est-ce que tu te souviens de l'enfant de Ago, Chima? Maintenant, il est allé faire son master à l'étranger. Rappelle-toi qu'il était fiancé à Ebere. Et puis? Deuxièmement, il avait gagné 2 millions de naira. Il a remis à Ebere et Noma. 2 millions de naira que j'ai vu de mes propres yeux. Maintenant que je te parle, cet argent est dans leur maison. Dileka, je pense que tu souffres de la malaria. Va te faire soigner de la malaria. C'est comme ça que tu vas parler toute ta vie. Ok. Est-ce que quelqu'un peut donner 2 millions de naira à quelqu'un? C'est bien. Je ferme ma bouche. Au cas où tu doutes, tu peux aller chez elle pour le vérifier. Tu la fermes. Ok. Mais attends, Dileka. Es-tu sérieuse que le fils d'Ago a donné à Noma et sa fille 2 millions de naira? J'ai déjà dit que je ne vais plus parler. Tu peux aller vérifier toi-même. Tu peux aller vérifier toi-même. Je ne dirai plus rien. Va te coucher. Je t'ai dit que tu souffres de malaria ou une autre maladie du genre. Ta tête ne fonctionne plus bien. Oko Kenji. Tu as compris? Ok, non. Je ne dirai plus rien. Es-tu sérieuse? Je garde ma bouche fermée. Va le vérifier toi-même. Non quoi, Ah, Patrick. Tu n'es pas préparé afin que nous puissions aller à la réunion du conseil de... La réunion. Je suis presque prêt, mais le problème est que ma femme n'est pas là. Et j'attends qu'elle revienne avant que je ne parte à cette réunion. Voilà, dans ce cas, tu vas à l'intérieur et fais sortir l'une de tes bouteilles. Je vais m'asseoir ici et puis on va l'attendre ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Je ne sais pas quand elle va revenir. Tu devrais partir. Quand elle reviendra, moi aussi je viendrai. Juste présente mes excuses. J'arrive. Ok, ce qui veut dire que je vais m'en aller. Qu'en est-il de ton fils, Chima? Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Chima est parti à Onitsha. Il y est allé pour voir ma grande sœur. Et où? Oui. Je pense que tout va bien. Zubatro, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il a été au village pendant très longtemps, qu'il passe aussi des temps à la cité, même pendant un mois seulement. Ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est bien. Ago, es-tu sûr? Es-tu sûr? C'est comme le jeune homme te dérange et accomplit ton devoir conjugal pendant la nuit et tu as décidé de le laisser partir. Toi avec tes pensées, je t'ai déjà dit, avoir ce genre de pensées dans ma tête est suicidaire. Je ne peux plus penser comme un jeune. Écoute, je n'ai plus cette vigueur. Écoute, arrête cette bêtise-là. Je t'en prie. En tout cas, ça va, c'est bien. Quand ta femme sera de retour, fais tout pour être à cette réunion. Sinon, d'accord, il y a des sujets très importants à discuter. C'est bon, je viendrai. Je viendrai. Il faut que je m'en aille. D'accord. Il faut que je m'en aille. Présente seulement mes excuses. Quand elle est de retour, Patrick, toi. Je m'en vais. Faut pas trop traîner. Donc, Ago pense que je suis stupide. Pour croire à son histoire ni tête ni queue. Mais attendez, qui vais-je croire maintenant? Est-ce que c'est Ndideka ou Ago?
J'ai un meilleur moyen de confirmer cet incident. Et si j'y arrive, alors je deviens automatiquement un millionnaire. Igwe, pour le moment, la réunion dans ta chambre de conseil est annulée. Millionnaire en devenir. Pati pati encore pati liki yora lolo na pagari take me here encore pati liki life na jeje this life na jeje de mon de 2 millions 2 millions de naira. Donc, tu vas aller chercher ça. Et je veux que tu saches que tu ne devrais pas laisser aucune trace. Pas de trace, pour quoi que ce soit. Et finalement, toi et tes éléments, vous êtes vos propres commanditaires. Alors, où allons-nous nous rencontrer demain? Demain matin, très tôt le matin, où allons-nous nous rencontrer? Tu sais où nous trouver, non? Bye, bon, bye. Dondo. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, bébé, bébé, t'en a. Bonne nuit. Bien. Très bien. Ça sera fait. Ça sera tout. Maman. Akuchi. Maman, je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'on a mangé ce genre de bouffe. Maman, la pauvreté n'est pas bonne. C'est ça. Il faut refuser la pauvreté. Je te dis. Je te dis. Tout ça, c'est Chima. Chima est bon. Vraiment, maman. Il se soucie de nous. C'est un bon garçon. D'accord. C'est très délicieux. C'est très bon ça. Par terre! Par terre! Où est l'argent? Où est l'argent? Mon frère! Qui est ton frère? Où sont 2 millions de Neira? 2 millions quoi? On n'a pas cette somme d'argent ici. Oh! Oh! C'est du mensonge. Donc à ton âge? À ton âge là vraiment? Tu continues à mentir, hein? Hein? Tu es là! C'est dans ma chambre. Dans ma chambre, pardon. Attendez, il est dans ma chambre, oui. Va le prendre, on y va. Oui, dans ma chambre. Bouge. Dans ma chambre. Oui. Bouge. Oui. Allez, mais... Est-ce que tu comprends? Oui, monsieur. Tu pensais que tu allais me mentir? Tu as vu comme je t'ai eu? Tu me prenais pour un enfant? Tu es en train de pleurer. C'est la preuve qu'il y a l'argent dans cette maison. Non, monsieur. Non. Pourquoi mens-tu? Maintenant, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi très bien. Attention. La vie et la mort sont entre tes mains. Tu comprends? Oui, monsieur. On va te tuer si tu refuses de coopérer. Je vais coopérer, monsieur. Tu es sûr que tu vas coopérer? Es-tu sûr? Oui. J'ai l'argent. On bouge, on bouge, on bouge. Laisse-moi. Ne regarde pas. Mets la tête en bas. Regarde en bas. Allez, allons-y, les gars, allons-y. Attendez, non, attendez, les gars, je vais m'amuser un peu, moi. Mais mon cher, qu'est-ce qui ne va pas faire? Allons-y, mais tu ne vas pas qu'on court derrière en même temps? Oh, mais... Allons-y, allons-y, allons-y. Gars, tu vas tout gâcher, oh.
Regarde, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Vous avez eu de la chance, ok? Vous avez de la chance. Maman, ils sont partis. Maman, ils sont-ils partis? Est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ça nous arrive? Tu veux que nous mourions pauvres? Seigneur, pourquoi tout ça? La pauvreté, pourquoi la pauvreté? Seigneur, je suis fatiguée, je n'en peux plus. J'en ai marre, je n'en peux plus. Pourquoi tout ça, Seigneur? Pourquoi seulement à moi? Oh mon Dieu! Maman! Remercions Dieu parce que nous sommes en vie. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est ça, oh ma fille. C'est ça vraiment. Seigneur, fais quelque chose. Hey. Papa, un jour, Dieu se souviendra de nous. Hey. Tout l'argent que tu m'as nous a donné est parti. Tout est parti, notre seul espoir. Hey, mon Dieu, pourquoi? Maman, pourquoi maman, tout ceci, Seigneur et maman? Hey, oh! Hey, hey, pourquoi? Ébéré, maman, avais-tu dit à quelqu'un que nous avons cette somme d'argent ici à la maison? Hein? Mais tu veux dire que tu m'as été allée à l'étranger? Oui, et il me manque déjà. Il était parti depuis hier. J'ai essayé d'appeler son numéro, mais ça ne passe pas. Eya, tu sais, dans la vie, nous ne devons pas négliger les gens. Parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Personne ne connaît demain. C'est vrai. Tu as de la chance, oh. Je suis très contente pour toi. D'ailleurs, il nous avait laissé la somme de 2 millions de naira que maman a utilisé une partie pour acheter ses marchandises. 2 millions? Oui, 2 millions. Né, arrête ça. Pourquoi tu veux mentir? 2 millions de naira? Jamais. Tu ne me crois pas? Oui. Ok, d'accord. Tu me crois maintenant? Oui. Mais Ébéré, tu ne dois pas garder cette somme d'argent à la maison. Tu devais le mettre en banque. Je les garde pour que les gens comme toi puissent y croire. Ébéré, quelqu'un peut te surprendre avec cette somme d'argent, tu sais? Allez, mais pourquoi tu parles de la sorte? Nous utilisons cet argent. Regarde-là. Tu fais comme si tu avais déjà touché cette somme d'argent. Maintenant, tu fais la grande dame. Oui, hein? Je suis une grande dame. Regarde, Béréo. Non, maman. Où veux-tu aller? Où? Quelque part. Millions. Quelque part qui n'a pas de nom. Effrayant. Hein? Hey. Ok. Tu n'es que Béréo. Et Béré, oui. Ma chère, tu as de la chance. Oh. Je suis très contente pour toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où sont ces gars? Ils m'ont demandé de venir ici. Je ne vois personne. Hey. Hey.
bata bata Anyalula mi jage no yaza Anyalula mi gini kai no ye Gini kai no ye Où je devrais? Hein? Mais qu'est-ce qui... Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un est là? Try again later. Thank you. Bon. Tu dois être disponible. Tu dois être disponible. Tu as mon argent. Non, mais Mban, ils ne peuvent pas prendre cet argent. Comment ces gars peuvent prendre une somme de 2 millions de naira et disparaître comme ça? Mban, ça ne se fait pas. Mais, Patrick, réveille-toi. Patrick, réveille-toi de ton sommeil. En voyant ces gars qui ont l'air des personnes qui veulent se suicider. Mais ils ne peuvent pas prendre de l'argent et partir. Non. Ils ne peuvent pas prendre de l'argent juste comme ça et disparaître. Ce n'est pas possible. Je dois retrouver mon argent. Ouais. Je dois récupérer mon argent. Je dois. Parce que je ne peux pas. Je dois récupérer ça. Tu es sorti très tôt aujourd'hui. Tu t'es allé où? Hein? Exactement, quand tu dormais. Y a-t-il un problème? Est-ce que tu as créé un problème? As-tu? Hein? Qu'est-ce que tu as avec tes tcho-tcho-tcho-tcho-tcho-tcho-tcho-tcho-tcho? Mets ta bouche dans tout. Tu ne peux pas me laisser avec ma vie. Hein? Va à l'intérieur et va prendre soin de toi. Est-ce un crime de poser la question? De quel crime parles-tu? Va à l'intérieur. Mais quel est ton problème? Ok, la porte est ouverte. Si tu finis, tu entres. Est-ce que c'était fermé avant? Ou bien c'est toi qui l'as ouvert? Tu ne peux pas rester dans ton coin. On parle de 2 millions. Et tu es là avec... Quel est ton problème? J'ai fait une erreur de t'épouser, mais... Cet argent ne peut pas disparaître comme ça. Ce n'est pas possible. Hey. Hey. Chidika, tu es la seule personne qui savait qu'on avait de l'argent à la maison. Oui, et alors? Cet argent a été gardé pendant quelques jours dans notre maison. Mais les jours que je t'ai parlé de ça, c'est aussi les mêmes jours qu'on a été volé. Chidika, avec qui tu as comploté pour nous voler? Allez, pardon? J'ai comploté? Avec qui? Arrête de me demander pardon. À qui est-ce que tu es allé raconter cela? Béré, je jure, j'ai dit à personne. Papa, arrête de maltraiter la famille de ton pauvre frère. Ils sont si humains comme moi et toi. Si elles ne sont pas des misérables, alors dis-moi, qu'est-ce qu'elles sont? Tu peux les appeler de tous les noms. Mais ces personnes que tu maltraites vivent mieux que nous. Ils sont plus riches maintenant que nous. Radio sans batterie. Comment? Premièrement, est-ce que tu te rappelles de l'enfant de Ago, Chima? Il est allé faire son master à l'étranger. Je crois que tu n'as pas oublié qu'il est fiancé à Ebere. Et puis? Deuxièmement, il a gagné 10 millions de naira. Il a donné à Ebere et Noma 10 millions de naira que j'ai vu avec mes propres yeux. Maintenant que je te parle, cet argent est dans leur maison. Dileka, je pense que tu souffres de la malaria. Es-tu sûr que tu ne l'as dit à personne?
Je vais impliquer la police dans ces problèmes, ou soit aller directement voir Okoukou. Ebere, mais ça c'est injuste, non? N'es-tu plus chrétienne? Tu sais bien comment Ogigi a tué les gens de notre génération. Ha! Dieu merci, tu le sais. Alors commence à parler. Ebere, s'il te plaît, dis-moi, promets-moi que tu n'iras pas jusqu'à ce point. Pas si tu me dis ce que j'ai envie d'entendre. Ce n'était pas avec une mauvaise intention. Je voulais juste faire comprendre à mon père que ce qu'il te fait, toi et ta mère, n'est pas bien. Je voulais juste qu'il sache que Dieu vous a béni, toi et ta mère. Juste ça. Cela veut dire que c'est ton père qui nous a volés. Ebere, ce n'est pas certain. Ça peut être une coïncidence. Ou vous l'avez attrapé dans votre maison. Ton père doit déjà s'apprêter pour ce qui est sur le point de se produire. Alors mon ami, qu'est-ce que tu me caches? Bien, je reviens à ta question. Je lui ai dit que je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas non plus accepté sa bague de fiançailles. J'en ai pas besoin. Je ne comprends rien. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Es-tu avec? Est-ce que tu me regardes bien? Ce gars n'est pas de mon genre. Non, non, non. Il n'est pas mon genre. Tu dois aussi faire attention avec ta sélection, ma chère. Tu es trop rigoureuse. Rappelle-toi, là j'avance. Accorde-lui une chance. C'est un bon gars. J'ai tout le temps avec moi. Alors pourquoi courir? Hein? D'ailleurs, c'est lui qui pouvait me faire pression pour que je puisse lui donner des petits-enfants, n'est plus. Oui, c'est mon pauvre père. Pourquoi courir? Laisse-moi vivre et profiter de mon temps. La vie est belle. Et alors ta mère? Tracy, je t'ai déjà interdit de mentionner les noms de cette femme pendant qu'on est ensemble avec toi. Chief, bienvenue chez moi. Ne te joue pas de moi. Où sont les 20 millions de Neira que notre communauté avait payé dans ton compte? Est-il en train de parler à moi? Est-il en train de me parler? Oui, je te parle. Tu as complètement refusé de venir nous défendre devant la cour. Maintenant, notre terre a été prise par nos adversaires. Et alors? C'est pourquoi tu viens bavarder ici? Tu viens avec tes blabla dans mon bureau? Tu fais tellement de bruit. Oh, je vois. C'est parce que je fais l'erreur de t'appeler Chief que tu t'es donné le droit de venir crier dans mon bureau. Je crois que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas bien. Je te défie. Tu verras mon autre visage. Tu veux me menacer? Tu essayes de me menacer? Je pèserai de tout mon poids pour que Prince Chani te tourne le dos pour ces mensonges et insultes à mon endroit. T'ai-je entendu parler des menaces? Si toi, tu ne viendras pas me demander pardon, appelle-moi bâtard! Ferme ta bouche si tu n'as rien à dire, toi bâtard! Dégage! Comment oses-tu? Regardez-moi ces crétins qui osent venir dans mon bureau pour me menacer n'importe quoi! Insensé! Chizo, c'est à un chief que tu parles ainsi? Et alors? Chief mon œil! Il est chef de son peuple, pas chez moi. Chisom, ces gens sont diaboliques. Allez, arrête, toi aussi. Ils ne feront rien. Ma chère, je te conseillerais d'aller mollo-mollo avec ces gens de clients. Tu commences à m'emmerder. Je crois que tu as besoin de prendre quelque chose. Secrétaire? Secrétaire? Est-ce que tu es en contact avec Chima depuis qu'il est allé à l'étranger? Bien sûr que oui, nous sommes en contact. Est-ce qu'il t'appelle souvent? Il m'appelle très souvent. Je crois qu'il ne va pas s'embrouiller là où il est parti. J'ai pris vraiment qu'il ne puisse pas te décevoir.
Excusez-moi, demoiselle. Bonsoir, monsieur. Ah, bonjour, bonjour. Je n'ai aucune idée du sujet de votre conversation. Puis-je le savoir, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. En quoi ça te regarde? Pardonnez mes manières. Mon nom est Kevin. Je suis du village de Sieke. Je suis nouveau ici et j'aimerais très bien avoir de nouveaux amis comme vous. Nous ne sommes pas des prostituées pour ton information. Comprends, ma sœur. Oh, vous êtes citoyenne? Oui, nous sommes deux cousines. Son père est le grand frère de mon papa. Ah, vraiment, j'apprécie ton courage. Merci. Merci. Chidika, c'est quoi ces sottises? Hein, Kevin, c'est elle la mère de Béré. Bonjour, madame. Bonjour. Ah. Tu ne les salues pas? Bonjour. Bonjour. Je suis sincèrement désolé, madame, si je vous dérange dans votre intimité. Mon nom est Kevin. Je vais aller droit au but, madame. D'accord. J'aime votre fille. Et je veux l'épouser. Ok, back to the question. Ma fille a déjà quelqu'un dans sa vie. Chideka, tu devais lui dire, non? Oui, madame. Elle l'a fait, madame. Elle l'a fait, mais d'après elle, cet homme n'est plus revenu il y a 3 ans de ça déjà. Voilà un peu que... Tu dois partir parce qu'elle n'a pas envie de te parler. Je vais essayer de parler avec elle. Tu connais les filles. En effet, d'où proviens-tu? Village d'Issieke. Ah, les gens d'Issieke sont très bons. Vous pouvez le dire à nouveau, madame. Pas de problème, je vais parler avec elle. C'est d'accord, madame. Vous êtes une très bonne personne. Merci pour les compliments. Permettez, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, prenez ceci. Non, non. Acceptez, s'il vous plaît. Non, merci. Ça vient de mon cœur. Oh, toi. Merci, maman. Ok. Je parlerai avec elle comme promis. D'accord, madame. Je dois partir maintenant. Ok. Merci beaucoup. Bye bye. Héberé! Héberé, oh oh! Maman! Viens! Je veux que tu me donnes une réponse sincère sur la question que je veux te poser maintenant. D'accord, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Héberé, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce gars qui t'est venu ici? Maman, toi aussi. Maman, je ne les connais pas. Bien.
Mon devoir en tant que ta mère est de t'encadrer. Ce que je veux te dire maintenant, c'est de suivre ton cœur. Ok, maman. T'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. Laisse-moi aller continuer ce que je faisais. Mon amour, ça va? Écoute, je suis passé pour ça. Garde ça pour toi pour le moment. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Hein? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Écoute, Obaki Loye allait à la presse pour scandaliser ton nom. Tu as pris l'argent des clients sans comparaître à la cour? Hein? Aussi avec des plaintes publiques ici et là? Je l'ai arrêté et lui ai dit que j'allais te parler. Quelle accusation! Quelle audace! Je regrette pour avoir accepté de traiter les dossiers de cet idiot. Oui, il est venu me soumettre son dossier. Je lui ai dit que j'en avais déjà plein, je ne saurais pas traiter ton cas. Il ne veut pas, il a insisté. Alors, où est mon problème là-dessus? Tu devais rejeter l'argent et l'envoyer à un autre avocat. Monseigneur, c'est parce que tu ne me laisses pas parler. C'est tout le monde qui me soumet son dossier. C'est tout le monde qui veut la toute puissante, sexy, Chisholm Williams pour la défense de l'RK. Après, ces tournes commencent à me blâmer. Connais-tu les implications de ce que tu fais? Connais-tu ce que ça veut dire devant la loi? Hein? Mon chéri, je connais l'implication de ce que je suis en train de faire. Aussi, je sais que mon chéri ne permettra pas que quelque chose de mal m'arrive. Ou tu veux me laisser aller en prison? Bien sûr que non. Mais écoute, tu dois changer tes orientations. Changer la façon dont tu fais les choses, ok? Hein? Je vais être avec toi cette nuit. Oh, cette nuit? Oh, ça fera mon plaisir. Ibiri, écoute-moi. Arrête-toi là, j'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit venant de toi. Est-ce que tu réfléchis? Bien sûr que oui. Ibiri, ce gars est riche. Est-ce que tu sais si c'est Dieu qui l'a envoyé pour remplacer Chima? Oui, il est riche et je m'en fous. Quant à moi, je vais me marier à mon compagnon Chima. Ibiri, ce gars a le sens du business. Il n'est pas n'importe qui. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour sortir toi et ta mère dans la misère. Ça m'est complètement égal. Tu peux essayer de m'en dissuader mes peines perdues. J'aime Chima et c'est lui seul que je veux. Ibiri, tu es malade. Sérieusement, tu es malade. Oh, c'est maintenant que tu le réalises? Excuse-moi. What have we done for my love? I won't do it again. I won't learn your bachelor of my love. Madame, j'ai apporté ceci pour vous. Merci énormément, mais garde ça. Madame, êtes-vous en train de rejeter mon cadeau? Non, je ne le rejette pas. Hein? Je ne le rejette pas, mais garde ça d'abord. Garde. Hein? Tu sais que ce n'est pas pour moi que tu viens ici. Hein? Alors si tu me donnes tous ces cadeaux, ça ne va rien changer. Donnons-lui juste un petit temps. Peut-être qu'elle va changer d'avis. Je comprends, madame. Mais honnêtement, mes cadeaux sont différents de mes désirs. Je retourne en ville bientôt. J'ai besoin d'être sûr de retourner avec une femme. Hey, moi, pas si vite, oh mon cher, pas si vite. Madame, je suis le fils unique de mes parents. Je veux les rendre fiers. Mon fils, tu ne peux pas vouloir te marier juste à cause de ça. Tu dois te marier à cause de l'amour. Juste en te regardant comme ça, je peux dire que tes parents sont fiers de toi, même si tu n'es pas encore mariée. Madame, j'ai besoin de donner à mes parents des petits-enfants. Ils ont besoin de leurs petits-enfants, je suis sérieux. Non, laisse-moi t'apprendre quelque chose que tu ignores. Le mariage n'est pas seulement pour faire des enfants.
c'est aussi pour se tenir compagnie. Tu peux avoir des enfants partout dans ce monde, mais tu n'es pas en paix avec ta femme. Tu ne vois pas que ta maison sera divisée? Je comprends, mais je ne vois pas ce... Encore toi? Je t'avais déjà dit que j'ai un homme dans ma vie, alors pourquoi tu t'entêtes à me déranger? Héberé, salue d'abord ta mère. Désolée, maman. Bon après-midi. Maman. Ah. Bonjour, madame. Bonjour. Tu ne peux pas les saluer? Bonjour. Bonjour. Maman, comment vas-tu? Bien, où? Où allez-vous toutes les deux? Où encore? Si ce n'est que la maison. Je le pensais bien. Puis-je vous déposer, s'il vous plaît? Avec cette voiture? Bah non, 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 non. Cette marque de voiture n'est pas faite pour transporter des trucs comme ça, pardon. Madame, c'est ma voiture. Et j'en fais ce que je veux déjà. Allez, laisse-moi prendre ça. Allez, donne-le-moi. Hé hey! Maman. Hein? Merci. Je vous en prie, maman. Oula, vos instruments. Merci. Donc, cette femme et sa fille ont évolué de telle en plus qu'elles prennent maintenant une voiture de luxe pour aller aux champs. Regardez à quel point elles sont contentes, souriant, en discutant. Ah,
Hey. Maman. Hein, merci. Dites-moi, où est-ce que je peux déposer ça? Viens avec. Ah, ok. Hey. Patrick, tu es trop clément avec cette femme et sa fille. Oui. Hein? Et qui est ce jeune homme avec elle? Pourrait-il être là pour Noma? Non. Non. Je ne pense pas. Mais je pensais qu'on disait qu'Ebere est fiancé avec Chima. Noma. Noma. Tu es très heureuse maintenant. Mais très bientôt. Très, très bientôt. Je vais apporter de la tristesse et des larmes dans ta famille. Hein? Donc maintenant, je suis condamné à me déplacer à chaque fois vers toi. Hein? Et non jamais le contraire. Donc, tu es devenu idée. Hein? Idée. Que seul Oko doit les visiter. Ouais. Tu es devenu la jarre et seul le gobelet va vers toi. Hein? Ah bon? As-tu une fois levé tes pieds et dit, il faut que j'aille rendre visite à Patrick? As-tu? Patrick, tu es mon ami. Tu sais combien je suis occupé. Ce n'est pas que je ne vais pas te rendre visite. Ah bon, tu es très occupé. Oui. Ok, je suis celui qui n'a rien à faire. Je suis celui qui n'a pas d'emploi, mais je suis riche. Hein? Non, je suis sans emploi, non? C'est pourquoi je suis venu chez toi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Hein? Tu as l'habitude de prendre les choses trop à cœur. Pourquoi? Ça va. En tout cas, comment va ton fils Chima? Chima va bien. Selon les rumeurs, il est à l'étranger maintenant, c'est ça? Oui, c'est vrai. On parle parfois de temps à temps. Tu vois? Et il a fiancé ma nièce Ebere. Vrai ou faux? Oui, tout le monde le sait dans ce village. Ce n'est pas une nouvelle, tout le monde le sait. Ah bon, je ne te comprends pas. Hein? Comment? Tu sais, je continue de te dire d'ouvrir tes yeux. D'ouvrir tes yeux. Hein? Tout ce qui se passe dans ce village, tu n'es au courant de rien, tu dis que tu es un homme. Hein? Comment? Ton fils Chima est sur le point de se faire larguer. Au profit d'un beau et riche jeune homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire comment? Je te dis que ton fils... Chima est sur le point d'être lagué au profit d'un riche jeune homme. Tu me demandes qu'est-ce que je veux dire. Ok. J'ai vu Noma et Ebere. Les deux ont été déposés tout juste devant leur maison par une voiture de marque Lexus. Toute neuve. Tchala tchala. Hein? Ça peut être quelqu'un qu'elle connaisse. Quelqu'un qu'elle connaisse. Et il faisait sortir des maniocs. Goussi. Boîte de chauffage et toutes sortes de produits agricoles de la voiture. Et tu dis que c'est quelqu'un qu'elle connaisse. Hein? Mais ça veut dire quoi? Mais tu dis quoi? Hein? Quel est ce genre de sacrifice que l'homme pourrait faire avec une Lexus 9 350? Tchala tchala! Qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche pas une amoureuse. Il cherche une femme. Une femme, tu as dit? Bien sûr. Patrick, je ne sais pas du tout d'où tu tiens toutes ces informations. Chacun d'entre nous a un choix à faire. Si mon fils Chima retourne et trouve que la fille a été prise par une autre personne, il y a amplement plusieurs bonnes et belles filles dans ce village. Il pourrait choisir l'une d'entre elles, même à l'étranger. Tu ne peux pas tuer cette fille parce que beaucoup d'hommes lui font la cour. Tu sais qu'elle est belle. Alors les hommes la suivront. Je ne vois rien de mal dans ça. Agou, tu es un imbécile. Agou, moi, tu es un gros, grand imbécile. Patrick, tu m'insultes dans ma maison. J'ai perdu mon temps à venir ici pour t'avertir de ce qui va t'arriver très bientôt.
Tu sais ce que je ferai? J'irai encourager le jeune homme de faire vite pour venir payer la dot. Ne dis pas après que je ne t'ai pas parlé. J'irai encourager le jeune homme de venir payer la dot. Hébert, je veux que tu me dises la vérité. Et rien d'autre que la vérité. Y a-t-il un jeune homme qui court après toi ces temps? Oui, papa. Quelles sont ses intentions et combien l'apprécies-tu? Papa, je jure que je ne les considère pas. Alors comment parler d'amour? Peu importe ce qu'il fait, il le fait à son propre gré. Je lui ai dit à maintes reprises d'arrêter de me déranger, mais il insiste toujours. Ma chère, loin de moi l'intention de te faire jurer. Hum? Écoute, il n'y a rien de mal si tu épousais une autre personne. Le même soutien que je t'aurais donné s'il s'agit de mon fils, c'est le même soutien que je te donnerais si tu épouses une autre personne. Ma fille, ce n'est pas un crime que tu sois mariée à une autre personne. Après tout, nous sommes des humains. Nous ne pouvons que profiter de ce que la vie nous offre. Maman? Papa? Y a-t-il quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé? Est-ce que Chima va bien? Ma chère, nous sommes aussi confus que toi. Depuis qu'il est parti, on n'a pas encore eu de ses nouvelles. C'est pourquoi je te dis de profiter des opportunités que la vie te donne. Merci, maman. Mais c'est Chim ou personne d'autre. Ah, la vie est belle. La vie est belle. Comment vas-tu? S'il te plaît. Allez, bébé, nous sommes nous discuter. C'est qui ton bébé? Bon, écoute, je ne suis pas ici pour chercher des querelles. Allez. Premièrement, mon nom est Chima. Deuxièmement, je ne suis pas ton bébé. Alors prends tes foutus pieds et sors de chez moi tout de suite. Oh, Guini. Hein, qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, maman. Bonjour. Maman, vous savez, je suis venu vous remercier pour l'amour que vous éprouvez pour moi. Et moi? C'est ce que je ne cesse d'avoir. Et tu auras ce qui est irrécevable. Peux-tu la fermer? C'est bon, maman. Maman, j'ai quelque chose pour vous. Oh. C'est quoi ton problème? Il faut être gentil envers les gens, peu importe leur rang. Maman, voici 500 000 naira. C'est pour vous. Faites-en ce que vous voulez et achetez-vous n'importe quoi. Ça vient de mon cœur. Maintenant, sors de cette parcelle. Thank you.
comme Ago, a refusé de danser au son de mon rythme. Noma, tu vas souffrir. Et aucune sorte de médicament ou d'herbe ne peut te guérir. Tu souffriras jusqu'à ce que tu meurs comme un légume. Où est mon argent? Pas de divagations, s'il vous plaît. Quel argent? Et qui es-tu pour crier dans mon bureau? L'argent qu'on avait réalisé en vendant mon terrain et mes deux stations. Comme je le dis, le paiement est en cours. Quoi? Tu es une voleuse, jeune fille. Pardon? Oui, j'ai dit que tu es une voleuse. Le paiement est en cours, mais ils ont déjà commencé les travaux. Comment expliques-tu cela? C'est ce qui te donne les kilos de me qualifier de voleuse dans mon bureau? Tu sais que je vais te faire arrêter juste pour ça? Lui as-tu posé la question de savoir s'il a complété la somme qui lui était demandée? Oui. Il m'a dit qu'il a effectué tous les paiements dans le compte de mon avocate. Il m'a même montré la preuve de 5 millions de naira qu'il avait payé dans ton compte. C'est ça. C'est ça. Je peux lui porter plainte pour ses fausses allégations. À qui il a payé ses 500 000 naira? Alors, où sont mes documents? Ça y est bien ici. Un instant. Tu sais quoi? Votre dossier doit se retrouver quelque part ici, au bureau. Mais comme je suis occupée maintenant, je vais chercher ça dès que je suis libre. Je vais chercher ça un moment. Ne joue pas les malins avec moi. Lui-même m'a montré les documents originaux. Quoi? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il a volé ça ici dans mon bureau. Ça, c'est une autre infraction qui est punissable par la loi. Je vais le poursuivre. Oui. Avocate arrogante. Si jusqu'à la fin de ces mois, tu ne m'apportes aucune nouvelle positive, tu verras mon autre visage. C'est une promesse. Je n'ai rien à voir avec l'acheteur. C'est toi et toi seul qui seras responsable si quelque chose arrivait à mes propriétés. Je pense que tu as besoin d'aller te reposer, te relaxer, de faire un sport ou d'aller dans un club. Va trouver ta femme et prenez un peu d'alcool. Qu'elle te fasse un bon massage qui va calmer tes nerfs. Tu es stressé et tu commences à perdre. Alors tu as besoin d'être relaxé. C'est tout ce que tu trouves de bon à dire? Laisse-moi t'assurer que je te ferai arrêter si je n'ai pas mon argent ou mes propriétés. Si tu n'étais pas mon client, je t'aurais fait payer une grande somme pour cette détente dont je t'ai fait profiter. Mais je te pardonne. Ok, nous allons voir. Good is by chance, bad is by chance. Manoya jisi bad men muwa bo kimi kona cha. Manoya jisi bad kwala mwa bo kimi kona kwetawa. Bata bata.
Maman, qu'est-ce qui se passe? Le champ est fermé et c'est là depuis hier. Maman, tu saignes. J'avais vu ça depuis la nuit dernière. Je ne te l'avais pas dit parce que je ne voulais pas que tu paniques. Maman, le sang. Maman. Maman. Le sang. Maman. Infirmière, s'il vous plaît. Oui. La docteure est là. Non. Elle est sortie, mais elle va rentrer bientôt. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma mère. Ah, le docteur est là. Docteur, bon après-midi. Le diagnostic dit que ta mère a été empoisonnée. Alors, vous devez payer la somme de 150 000 naira pour son traitement. Madame, tu dois aller chercher l'argent si tu veux que ta mère survive. Seigneur. Chinika! 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 Évère, qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Pourquoi tu cours? C'est ma mère. Est-ce que ton père est là? Oui. Qui est-ce qui est arrivé à ta mère? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle. Hein? Qu'en est-il mon de ta mère? Ma mère est à l'hôpital. Elle vomit du sang. Elle vomit du sang. Hein? Le docteur dit qu'elle souffre de quoi? Elle a été empoisonnée. Je t'en prie, mon oncle. Empoisonnée? Aide-moi. Oh, qui pourrait l'empoisonner? Je ne sais pas, mon oncle. Le docteur a demandé 150 000 lira. Est-ce que tu viens de dire que le docteur demande 150 000 lira? C'est ça, oui, oncle. Hey. Mais où est-ce qu'il pense que tu peux trouver les 150 000 lira? Je t'en prie, mon oncle. Aide-nous. Tu connais notre condition. Pitié. Aide-nous. Écoutez, Mary, la chose est que 150 000 lira n'est pas comme 150 naira. Oncle, où est-ce qu'on va trouver ça? Pitié. Ok, tu dois être calme. Hein? Tu dois être calme. Tu sais, tout ceci est arrivé soudainement. Hein? Très soudainement. Donc, tu vas attendre, sois patiente jusqu'à demain et puis on va discuter pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Hein? Lève-toi. Merci. Je t'en prie. Merci, mon oncle. Allez, cours. Peut-être elle pourrait avoir besoin de toi à l'hôpital. Oui. Ok. 150 000 naira. Naboni. Hey, ma fille, essuie tes larmes. À l'heure où nous parlons, nous n'avons que 30 000 naira à la maison. S'il te plaît, débride-toi avec. Je verrai quoi faire pour en emprunter plus. S'il te plaît. Hein? Merci. Merci beaucoup. D'accord. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Merci, papa. C'est vrai. Hey, mon Dieu, c'est mon méchant. Patrick, j'ai appris qu'elle avait une sœur qui est aisée à la cité. Ma chère, la jeune fille évolue bien. Mais je ne comprends pas pourquoi elle abandonnerait sa famille. Seul Dieu connaît. C'est malheureux, je n'en sais rien. Seul Dieu connaît. Bien, Dieu va l'accompagner. Ok. Entrons alors. Oui, Tchoukoudé, qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a une fille dehors là-bas qui est venue vous chercher. Elle a dit que son nom c'est Ebere.
Ebere. Oui, Ebere. C'est pourquoi tu es venu d'abord vérifier avant de la laisser entrer. Mais madame, vous m'aviez demandé de trier le genre de personnes qui doivent vous voir. Alors cette personne, c'est le genre de personnes que vous n'aimez pas recevoir. Allez mon ami, fais l'entrée, stupide que tu es. Désolé madame. Hein. Désolé pour ma bouche va me tuer. Elle est là, madame. Ma chérie, bienvenue. Contente de te voir. Prends place. Et madame, c'est votre petite sœur. Elle est jolie. Es-tu fou? Quitte-la. Pardon, madame. Désolé. Alors, je t'accueille chez moi. Ebere, regarde-toi. Regarde tes cheveux. Tu ne prends pas soin de toi. Allez, viens. Que tu te rafraîchisses d'abord. Grande sœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Quoi? Grande sœur. Je ne suis pas venue ici pour ça, mais plutôt pour maman. Qu'est-ce qu'il y a avec cette femme? Je t'ai déjà interdit de parler d'elle quand tu es avec moi. Es-tu sourde? Grande sœur, peu importe ce qu'elle t'avait fait, je t'en prie, pardonne-la. Maman est mourante à l'hôpital en ce moment. Bien, peu importe. Peu importe c'est par quoi elle passe, ça m'est égal. Je n'ai rien à foutre. Ma sœur, mais comment peux-tu parler de la sorte à la femme qui t'a mise au monde? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Qu'est-ce qui est encore avec elle? Maman a été empoisonnée. Par qui? Allez, arrête, Ebere, tu n'es qu'une enfant. Ma sœur, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est la docteure qui l'a confirmé. Elle a dit que nous devons donner 150 000 lira pour le traitement des mamans. Tu vois pourquoi je dis qu'elle est une sorcière? Elle ne fait que payer le prix de son péché. Regardez maintenant les conséquences. Une pauvre veuve comme elle, elle se retrouve à l'hôpital où on demande 150 000 naira. Ça, c'est pour les riches. Ce n'est pas possible que ce genre de choses lui arrivent. Ma chère sœur, je n'ai pas cette somme d'argent à te donner pour maman. J'en ai pas. Sauver la vie des mamans, c'est pas comme si tu gaspillais ton argent. Rappelle-toi, c'est elle qui t'a mise au monde. Elle n'est pas ma mère. Je n'ai pas une mère. Ok, bien. Je te donnerai l'argent. C'est juste à cause de toi. Tu le feras? Oui, tu l'auras. Merci, ma sœur. Ok, pas de problème. Est-ce que tu peux aller te rafraîchir maintenant? Oui. Allez, viens. Regarde comment tu es devenue. La sœur de l'avocat, c'est la plus renommée du pays. Ebere, pourquoi tu es restée debout? Rien du tout. Je vais partir. Ok. Allez, tiens. C'est 10 000 naira. Pour ton transport. Alors, qu'en est-il de 150 000 que tu avais promis? J'avais changé d'avis. Je ne voulais pas te donner une réponse négative hier. Tu m'avais menti? Bien sûr que oui. Je t'ai menti. Dis-moi que toi, tu ne mens pas. Parce que là, tu me regardes comme si c'était pour toi la première fois de l'entendre. Écoute, je n'ai pas voulu te donner une réponse négative hier. De peur que tu sortes de la maison, je ne sais pas moi comment, au risque pour toi de rencontrer un danger en route. Et je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. À n'importe quelle façon, nous allons survivre. Ebere, reste avec moi. Je souhaiterais mourir avec maman que de rester avec toi. C'est bien. Tu as fait ton choix. Moi de même, je fais ma part. Grande sœur, tu es sans cœur. Oui, ma chérie, je le sais. Je l'ai appris de ta mère. Elle est pire. Où est-ce que tu vas avec ces trucs? Allez, remets-le-moi.
Je t'enverrai l'argent pour le shopping. À n'importe quelle façon, nous allons survivre. Mais je te promets une chose. Maman ne va pas mourir. Si jamais quelque chose arrive à maman, sache qu'il n'y aura plus rien entre toi et moi. Alice, je vais enlever ces saletés, n'importe quoi. As-tu trouvé l'argent? Oh, désolé docteur, je n'ai pas encore trouvé cette somme d'argent. Je ne veux pas que ta mère soit traitée. Bien sûr, docteur. J'ai besoin de ton aide. Tu peux déjà commencer les traitements le temps que je cours pour chercher l'argent. Honnêtement, je n'ai rien à faire à propos. C'est tout ce que j'ai à te dire. Infirmière, madame, s'il te plaît, où est ma fille? Elle était sortie, mais elle a dit qu'elle rentre bientôt. D'accord. Désolée, madame. Docteur, s'il te plaît, je t'en prie, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pitié. Désolée, je ne saurais rien faire avec. Cet argent est insignifiant. On ne saura rien acheter de tout ce dont on a besoin pour le traitement. C'est tout le jour qu'elle est en train de perdre du sang. Docteur, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pitié, docteur. Pitié. J'ai besoin de ton assistance. Je t'en prie, aide-moi. Pitié, docteur. Lève-toi. Pitié, docteur, pitié. C'est ça. Cet argent ne saura pas couvrir tout le besoin. Alors tu dois aller chercher les montants qui restent. Ok, docteur. S'il te plaît. Infirmière, comptabilise cet argent. Tu dois te dépêcher pour le reste. D'accord, okay? Docteur. Merci. Ok. Maman, est-ce que tu vas bien? Où étais-tu partie? J'étais allée voir Sœur Tussaud pour qu'elle puisse nous aider. Qu'est-ce qu'elle a dit? Toujours la même histoire. Maman, quel est le problème qui existe entre toi et Sœur Tussaud dont tu ne m'as jamais parlé? Bonjour, Oga Patrick. Bonjour, Norma. Chérie, s'il te plaît, arrête ce que tu fais et écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Oga Patrick, regarde. Je dois finir ce travail avant que le chef n'arrive. Tu sais que si je ne le fais pas, ce sera un trouble pour moi. Chérie, le patron ira à la réunion d'administration de chez lui. Donc, s'il te plaît, on a le temps. Je peux te parler sans te perdre le temps, je te promets. Ok, sois bref. Ok. Sais-tu que ce n'est pas mon influence que tu as obtenu ce travail dans cette entreprise? Oga Patrick, je le sais. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir fait ça pour moi sans pour autant me connaître. Bien, ça va. Écoute, je t'aime dès le premier jour que tu es venu dans ce bureau pour chercher de l'emploi. Je suis sérieux. Oga Patrick, merci beaucoup pour tout. Mais je ne suis pas intéressée pour une relation amoureuse maintenant. Pourquoi? As-tu le cœur brisé? Ce n'est pas ça. Je veux juste travailler pour gagner mon propre argent. Je vais aussi continuer mes études. Je ne veux pas m'arrêter par là. Écoute, chérie, accepte-moi et nous allons réaliser ton rêve ensemble. Je te promets que je t'aiderai à finir tes études. Allons. Ok, je vais y penser. Tu dois vite y réfléchir, ok? Mon amour. À plus, ma chérie. Je
bébé. Ah. Ouais. Ma beauté, arrête ça, non? Après tout, tu n'es plus vierge. Hein? Laisse-moi tranquille. Je sais que je suis plus vierge. J'ai peur maintenant. Tu n'as pas honoré tes paroles. Je vais devenir une chose pour toi. C'est du mensonge. Hein? Tu sais que je t'aime. Je ne peux pas t'échanger avec une autre femme. Ma beauté. Hein? Les hommes ne savent que promettre. Toi aussi, tu ne sais que promettre sans pour autant réaliser. Comment est-ce que tu les as appelés? Les hommes. Je ne suis pas comme eux. Moi, je suis différent. Bébé, arrête de pleurer. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime, non, ma chérie. Hein? Je t'ai entendu. Aïe. Regarde-toi. Regarde-toi. Mon rayon solaire. Hein? Bébé, laisse-moi te dire, tu es très douce. Viens, tu vas me donner encore un. Juste un. Poussez-moi un. Allons-y. Oh, pardon, ça suffit. Non, ça suffit, pardon. Je refuse, laisse-moi. Ça suffit, non. Arrête, laisse-moi. Laisse-moi, ça suffit, je refuse. Laisse-moi. Je refuse. Ça suffit, non, ça suffit. Oh, désolé. Désolé. Bébé. Il a quoi? Tu es trop calme. Y a-t-il un problème? Hein? Un problème? Parle-moi, non. Y a quoi? C'est comme s'il y a quelque chose. Je crois que c'est ce que je pense. Mais lorsque je cherche à comprendre la chose, c'est comme si mes pensées sont justes. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis enceinte. Je ne vois pas mes règles. Norma, n'es-tu pas une grande fille? Hein? Ne sais-tu pas ce qu'il faut prendre après avoir eu un sexe non protégé? Excuse-moi. T'excuser pourquoi? Hein? Écoute, tu dois terminer cette chose que tu portes. Sinon, tu porteras les conséquences toi seul. Tu veux dire quoi? L'enfant. Ouais. Et si je mourais? Combien de fois tu as appris qu'une fille est morte après l'avortement? Écoute, tu dois te débarrasser de l'enfant là. Je ne vais pas tuer mon enfant. Patrick, je ne ferai pas l'avortement. Norman, tu dois terminer cette chose que tu portes là-bas. Après tout, qui sait si je suis le père de ce bâtard-là? Quoi? Patrick, tu appelles mon enfant, ton futur enfant, bâtard? Norman, quitte ma chambre. Je ferme ma porte. Tu blagues, n'est-ce pas? Est-ce que je ressemble à un pagailleur? Est-ce que je ressemble à un comédien pour toi? Quitte ma maison maintenant même. Que je... Patrick! Ah! Mais Patrick, pourquoi vite, tu... Sors de ma chambre! Ah! Oh, laisse-moi d'abord. Écoutez, c'est moi seul qui habite dans cette maison. Et je n'attends aucun visiteur. C'est toi seul et moi cette nuit, d'accord? Allons-y. Mon bébé! Qui es-tu et que fais-tu ici? Qui suis-je? Où est-ce que tu vas avec ces sacs? Patrick, je t'en prie au nom du Seigneur. Je ne sais où partir. Ma tantine m'a chassée de la maison. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas prendre soin de cet enfant, notre enfant. Et alors? Alors, je suis venue ici pour qu'on habite ensemble. En tant que qui? Écoute,
Je t'avais dit d'aller chercher le père de cette chose que tu portes. Ne dis même pas ça, Patrick. C'est toi le responsable de cette grossesse. Je ne sais où partir. S'il te plaît, aie pitié, je t'en prie. Je suis sans domicile. S'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, calme-toi, je vais m'occuper d'elle, d'accord, bébé? Ah, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Arrête ça. Bébé, s'il te plaît, bébé, reviens, non? Noma. Noma, regarde ce que tu as causé. C'est à cause de nous deux. Noma, il n'y a aucun nous. Il n'y avait aucun nous et il n'y aura jamais aucun nous. Si tu ne quittes pas ici maintenant, je vais commettre un double meurtre. Pourquoi tu déranges ma vie avec ce bâtard que tu portes? Quitte chez moi. Ton enfant, bâtard. Quitte chez moi. Sors. Patrick, s'il te plaît, laisse-moi, Patrick, je t'en prie, pardon, Patrick. Va-t'en. Je ne fais pas ça, Patrick. S'il te plaît, Patrick. Hey, les hommes ne vont jamais changer. J'étais bien entendu. Je prendrai soin de toi, même après l'accouchement. C'est une promesse. Tantine, je ne sais même pas quoi dire. Que Dieu vous bénisse, Tantine. Qu'il vous bénisse d'avoir accepté de prendre soin de moi et de ce bébé. Je t'en prie. Merci, Tantine. Mais à une seule condition. Tantine, quelle est cette condition? Une fois que le bébé sera là, que tu puisses me les donner. Comme tu peux le voir, jusqu'à mon âge, je n'ai aucun enfant que je peux appeler mien. Alors s'il te plaît. Je n'ai pas une autre option. Si je garde cet enfant, comment je vais l'élever? Tant il n'y a pas de problème. J'accepte. Tant il promettez-moi que vous n'allez jamais m'interdire de venir rendre visite à mon enfant. Non, ma chère, pas ça. Hein? Mais tu ne devras jamais lui dire que tu es sa vraie mère. Que ce secret reste entre nous et soit enterré à jamais. S'il te plaît. Je le dirai. Arrête de pleurer. Hein? Demain, je te trouverai une maison. Merci, tante. Merci. Allez, arrête de pleurer. Merci. Ça va aller, ma belle. Je t'ai dit que je m'occuperai bien de toi. Comment tu vas? Non, moi. Tantine. Viens avec elle que je la porte. Ok, Tantine. Oh, yeah. Lève-toi. Allez. Waouh. Oh, bébé. Regarde-toi. Waouh. Quoi? Donc ça, c'est très facile, ok? 2 fois 1. Alors, on va faire une fois 2. Ça va faire, comptons ensemble, 1, 2. Alors, 2 fois 1 égale 2. Alors, on va faire 2 fois 2. Alors, on va faire 2 fois. Alors, comptons 1, 2. Ça va faire au total combien? 1, 2, 3, 4. Maman, bienvenue. Oh. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Bienvenue, tantine. Mais toi, Ney, je te présente notre nouveau chauffeur, William. Monsieur Williams, bienvenue. Merci. Je veux que tous les deux vous travaillez en collaboration pour que tout aille bien dans cette maison.
D'accord, tanti. Norma. Tanti, je te prends de l'eau. Je sais que tu es très fatiguée. S'il te plaît, Félé, je suis très fatiguée. Prends place. Merci, madame. Approche, bébé. Comment tu vas? Madame, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Oh. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Mets-toi. Merci, madame. Madame, ça concerne Norma. Norma? Oui. J'espère que tout va bien. Je l'apprécie et j'aimerais l'épouser. William, est-ce que tu viens de dire que tu veux épouser Norma? Oui, madame. C'est une bonne nouvelle. Oui. As-tu déjà eu le temps d'en parler avec elle? Non, madame. Vous connaissez bien Norma avec son horaire chargé. Souvent, elle n'a pas le temps. Tu as raison. Norma travaille beaucoup. Mais c'est toi l'homme. Tu dois trouver le temps pour lui en parler. Ok. Je suis très contente. Ok, madame. William. Merci beaucoup, madame. Courage. Je m'en vais maintenant, madame. Norma, tu ne serais pas ravie qu'un jour un homme t'appelle sien? Bien sûr, tanti. Tanti, je suis un humain. Mais pour le moment, je n'ai personne. Hey, je peux t'assurer qu'il y a des hommes qui sont faits pour toi. C'est juste parce que tu refuses d'ouvrir les yeux pour voir ce qui t'appartient. Tanti, s'il te plaît, arrête ça. J'ai pas ça en tête pour le moment. Oui. Tanti, regarde-toi, non? Tu es toute seule, mais tu vis très bien. Je ne suis pas mariée. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de sentiments. Ou soit je suis contre les relations. Ok. J'aimerais te dire quelque chose. Norma. Tantine. Je crois que William est amoureux de toi. Oui. Oh, Monsieur Williams. Ah, bonjour, Norma. Bonjour, des retours? Oui, 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 en effet. Où est madame? C'est elle que j'attends ou j'allais déjà rentrer à la maison. Bien, madame ne va pas rentrer bientôt là, tu vois? Hey. Oui, oui, mais j'irai la prendre aussitôt qu'elle aura fini son travail. Ok. Et alors, elle rentre quand? Waouh, la même chose. Bien, en rentrant, je suis entré dans un restaurant fast-food, tu vois, pour te trouver quelque chose de spécial. Ouais, juste entre toi et moi. Tu sais, non? Tu l'apprécies? Oga Williams, hey, c'est très gentil. Oh. Pourquoi vous vous dérangez? Je viens à peine de finir de préparer. Et nous avons beaucoup de jus au réfrigérateur. Non, ne t'en fais pas. Ceci est très spécial. Juste entre toi et moi. Tu vas l'adorer. Hein? Ouais. Hey, merci beaucoup de m'avoir porté à cœur. Oh. Je t'en prie. As-tu aimé ça? Oui, j'aime. Hey, tu es une très bonne personne. Oh. Hey, j'aime ça. Merci énormément. Norma, regarde. Hey. Un jour, je viendrai découvrir où tu habites. Où j'habite? Oui. Mon Dieu, tu ne sauras pas entrer là-bas. On a un très gros chien. Il est très gros. Tu ne sauras pas le regarder. Oh. Et il déteste le gars. Es-tu sérieuse? Je te dis, oh. Ah, es-tu en train de me menacer ou quoi? Désolé, pardon. Ok, ok. Je ne viendrai plus alors. Oga Williams, calmez-vous, non? Hey, regardez un peu votre visage. Ça veut dire que vous avez peur de chien.
Je vais vous taquiner. On n'a pas de chien. Moi aussi, j'ai peur de chien. Oh. Ça alors? Tu m'as vraiment effrayé. Oga Williams, merci. Merci, yo. Ce gars, il a un coup d'œil, yo. Comment savais-tu que j'allais aimer ça? Hey! Ça va vraiment m'aller. Hey! Merci, yo. J'espère que tu as aimé la nourriture. Oh oui, c'était très délicieux. Ce n'est pas comme les nourritures que nous mangeons à côté du bureau des madames. Celle-ci est vraiment spéciale, fait maison. Merci, j'avais spécialement fait ça pour toi. Oh, vraiment? Oh, c'est vraiment gentil de ta part, merci beaucoup. Bonne fête de Saint-Valentin. Oh mon Dieu! Bonne fête de Saint-Valentin aussi. Merci beaucoup. J'avais presque oublié. Tu sais quoi? Mon Dieu. Ok. C'est 25 000 naira. À l'occasion de la fête de Saint-Valentin, juste utilise cet argent pour te trouver quelque chose de très spécial pour toi-même. Ok? Ok. Tiens, non, vas-y, oui. Tout ça pour oui, moi. Oui, vas-y, oui. Hey. Hey. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah. Je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. Pourquoi tu t'intéresses beaucoup à moi? Est-ce que tu m'aimes? Je veux dire, es-tu amoureux de moi? Oui, c'est juste que je t'aime aussi. Sérieux? Es-tu sûr? Oui, je t'aime. Norma! Norma! Oui, tantine. Tantine? Bienvenue, tantine. Tu es enceinte. William. Oui, madame. À présent qu'elle est enceinte, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir ses parents et faire toutes les exigences nécessaires pour le mariage. Je vais t'aider avec ça. Êtes-vous sérieuse? Oui. Oh, merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Lève-toi, lève-toi. Merci. Oh, mon Dieu. Merci, madame. Oui. Oh, mon Dieu. William. Merci beaucoup pour le cola. Je t'en prie. Nous sommes venus de loin. Je veux qu'on fasse ce qu'on a à faire à l'heure pour qu'on puisse rentrer à l'heure. C'est bien alors? En tout cas, comme vous le voyez, mon fils est ici, William. Dit qu'il a vu une belle fleur chez vous. Et il dit qu'il aimerait cueillir cette fleur, l'emmener chez lui, afin que sa maison soit belle comme la tienne. Ah ah! Tu as très bien parlé, Maziazé. Merci. Mais, comme tu peux bien le voir, je ne suis pas cette fleur. Ou soit, la suis-je? Non, papa, c'est pas possible. Non plus, c'est Mazio Keke, la fleur. Alors, je vais appeler ma jolie fille pour qu'elle vienne elle-même. Parce que seule elle saura parler à son nom. Exactement. Alors, Norma! 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 Papa? Viens, 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 viens. Hey, hey, hey. Ah, ma très jolie fille. Bienvenue, mes anciens. Mazézézé. Voilà Norma, ma jolie fille. Norma, Mazézé est présent ici. Il est venu avec ses fils. Il a dit que son fils, Williams,
t'aime et qu'il aimerait t'épouser. Il aimerait faire de toi sa femme. Hein? Alors, est-ce que tu l'apprécies? Aimerais-tu épouser Williams et être sa femme? Hein? Oui, papa. Ah, au bois du gombard, non? Mon fils, tu peux maintenant rentrer, hein? Ok, papa. Je vais t'appeler plus tard pour que tu lui remettes le verre, pour que tout se confirme. Hein? Ok, très bien, rentre à la maison. Mazèze, si tout ne dépendait que de moi, tout est déjà prêt pour le mariage. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant des beaux-frères, finalement. Merci. C'est ça. Allons-y, Bivon, non, c'est la fête, je ne sais même pas pourquoi on attend. Ok, tiens ça. Oui, Bivon, évidemment, oui. Qu'est-ce que tu fais avec mon grand frère? Et qu'est-ce que tu fais ici? Williams, c'est mon grand frère. Oh, c'est vrai? Où est mon enfant? N'est-ce pas que tu m'avais dit d'avorter? L'as-tu déjà oublié? N'essaie pas de me jouer. Patrick, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Alors, je ne voudrais pas et je ne permettrai pas à n'importe qui, que ce soit toi, de le gâcher. Et rappelle-toi, Patrick, toi et moi, ne nous sommes pas connus. On ne s'est jamais vus. Mais... Chut! N'ose même pas sortir un mot. Qu'y a-t-il que tu ne peux pas attendre? C'est un voyage stressant. Frérot, ceci est très très important. Ok, c'est au sujet de la fille que tu veux épouser. Ok, je t'écoute. Frère, tu ne peux pas épouser cette fille. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elle soit la meilleure fille pour toi. Comment peux-tu juste voir quelqu'un comme ça et le condamner? Norma fera une bonne mère et elle est très bien éduquée. Williams, tu ne me comprends pas. Je ne peux pas être ici et te voir faire la plus grande erreur de ta vie. Tu ne peux pas épouser la fille là. De quoi es-tu en train de parler? Tu ne la connais même pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. Bien, je ne peux pas me retirer maintenant. Quoi? Pourquoi? Elle est enceinte. Quoi? Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Tu m'as entendu. Elle est enceinte. Oh Dieu! Oh. Ta mère maintenant. Soebeu. Elle ne va pas bien. Soebeu. Son état de santé n'est fait que son prêt. Soebeu. Ça me revient. Soebeu. Est-ce que tu peux avoir le numéro de Kevin? Le numéro de Kevin. Soebeu. De quel Kevin es-tu en train de parler? Le Kevin qui avait demandé ma mère en mariage. Hein? J'ai vraiment besoin de son aide. Yeah. Ebere. Je sais que tu n'as jamais voulu de lui. J'ai besoin de son aide. Hein? Chidika. Je n'ai pas son numéro, malheureusement. Hé, mon Dieu. Chidika, je t'en prie, va chercher pour moi. J'ai besoin de 150 000 lira. Pitié. Ma sœur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Où est-ce que j'aurai la somme de 150 000 naira? Où? Tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Tu as refusé l'offre de 500 000 naira. Maintenant, tu cherches 150 000 naira, tu vois? Hé, hey, Chidika. Chidika, arrête, je t'en Quand prie. Quand j'ai donné le conseil, c'était genre, je ne veux pas du bien pour toi. Tu vois maintenant, tu cherches 150 000 naira. Ma sœur, je n'ai rien. Je ne saurais pas t'aider. Je n'ai même pas un likuta. Gardons juste la foi et prions. Hé, hey, Chidika. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? J'en ai besoin. Ma mère est mourante. Je ne sais comment t'aider pour l'instant, hein, mon ami. Prions juste Dieu.
élastique. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Maman est morte. Maman. Maman. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Ok, viens. Lève-toi. Oh mon Dieu! Maman! Maman! C'est bon. Non, maman! C'est bon, ça suffit, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Hey! Maman! 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 C'est bon. Ça va. Maman! Maman! C'est bon. Maman! Ça va, maman. Ça va. Arrête de pleurer. Héberé, tout ce temps, si tu ne t'es même pas dérangé pour me chercher. Dis-moi, où est maman? Elle est morte. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été empoisonnée. Empoisonnée par qui? Je ne sais pas. C'est les docteurs qui nous l'ont confirmé. Cela s'est produit à notre retour de la ferme. Ces jours-là, elle s'est plaignée qu'elle avait mal. Et après cela, elle a commencé à vomir du sang. Bon sang, Héberé, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Tu aurais dû trouver un moyen de pouvoir me joindre. J'ai essayé de tout mon mieux, mais je n'ai pas pu te joindre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est d'accord. Je veux juste que tu essayes de donner une chance à nous deux, ok? J'ai commis une grave erreur en te laissant partir la première fois que je t'ai vu. Sache que cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir. Maman. Papa, je vous en prie, pardonnez-moi. T'es pardonné pour quelle raison? Essuie tes larmes et dis-nous ce qui s'est passé. Comment pouvons-nous te pardonner pour la chose que nous ignorons? Et qui a encore appelé? Je suis fatiguée de rester seule. Héberé, essuie tes larmes et dis-nous qui a appelé encore? Le même homme qui voulait me prendre en mariage. Ah, et c'est pour ça que tu pleures? Ma chère, le mariage n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Essuie tes larmes. En ce qui me concerne, tu as toute ma bénédiction. Oui. Dès qu'il vient, amène-le ici et nous allons vous bénir. Oui. C'est juste que je ne les considère pas. Pourquoi? Ce n'est pas dans mes intentions de blesser l'homme que j'aime. Héberé, tu parles de Tim. Tim qui a voyagé il y a plusieurs années passées. Personne ne l'a ni vu ni eu ces infos. Même pas une simple photo. Et tu les considères. Tu ferais mieux d'avancer avec ta vie. En tout cas, ma fille, ne t'inquiète pas. Attendre un homme que tu as beaucoup aimé indéfiniment n'est pas chose facile. Écoute, tu feras ceci. Dès qu'il vient, amène-le ici. Et je vais lui parler d'homme à homme. Thank you.
Ebere, qu'est-ce qui se passe avec toi? Non mais sérieux, es-tu folle? As-tu perdu tes manières? Arrête de me regarder comme un fou. Qu'est-ce qui te dit à ton ami Ndidika? Tu ferais mieux d'arrêter de mentir avant que je ne te gifle. Je vais te gifler sérieusement. Kevin, je ne comprends pas. Non mais tu veux te taire. Allez, arrête de me dire ça. Arrête de me dire ça. Et en plus, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de tout ça. Je suis fatigué de tout ceci. Épouse-moi. Veux-tu m'épouser? Ebere, s'il te plaît. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je veux faire de toi ma femme. S'il te plaît, ne dis pas non. Je suis désolé, mais je devais le faire ainsi. Mais dis oui, s'il te plaît. Oui, je le veux. Es-tu sérieuse? Oh. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Je t'aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui est le jour le plus heureux dans l'histoire de cette église. Aujourd'hui, nous allons unir deux des nôtres. Mais avant de commencer la cérémonie proprement dite, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un figuier. Lorsque Jésus-Christ revenait de la Galilée, il eut faim. Et voici ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il approcha un figuier, mais il n'y trouva aucune figue. Et la Bible dit qu'il maudit le figuier. Mais, oh Dieu, Kevin ne répond pas à mes appels. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que je fais de mal? Ebere, il ne prend pas maman, sur le téléphone. Kevin ne répond pas à mes appels. Ok, maman, ne t'achète pas, hein. Sois calme, apaise-toi, sois calme. Maman, que dois-je faire? T'inquiète, il finira par répondre. Oui, essaie encore, essaie. Continue d'appeler. Ça sonne. Hé, hey, maman, non, ça sonne, mais il ne décroche pas. Il ne répond toujours pas. Ok, maman, sois calme, il finira maman par rappeler. Entrons. Allons à l'église. Voici ce qu'il dit au figuier. En vérité, je te dis. Dorénavant, tu ne porteras plus jamais de fruits. La Bible dit, le troisième jour, lorsqu'il passait par le même endroit, Pierre dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as. Jésus lui répondit disant, « Je vous le dis, ayez la foi en Dieu. » Ce qui veut dire qu'avec la foi en Dieu, nous pouvons surmonter tout obstacle. C'est la foi en Dieu qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Comme je l'avais dit au début, aujourd'hui est un jour spécial dans l'histoire de cette église, où nous allons unir deux des nôtres, à savoir Ebere et... Ah.
What I would do for my love, I would do it again. I would love your Bashara, oh, love. What I would do for my love, I would do it again. Oh, my God, oh, love. I would run your Bashara, oh, love. Just talk by my heart, yeah. Baby, I'm a son so key. Only you there, my heart, yeah. Love, I'm a nanny. Just talk by my heart, yeah. Only you, baby. Only you there, my heart, yeah. And we wait for you. Just talk by my heart, yeah. Only you, baby. Only you there, my heart, yeah. Only you there, my heart, yeah. Just talk by my heart, ça va aller. Je te l'ai dit. La vie n'était pas facile pour moi à Londres. Quand bien même j'étais à l'aise. Alors, pourquoi tu ne faisais même pas si bien? Parce que j'avais besoin d'être focalisé. Ouais, je devais être focalisé. Rester focalisé n'est pas une excuse. Et si Kevin m'avait pris? Non. La vie ne peut jamais être réelle. Ouais. Et c'est pourquoi je l'ai envoyé. Tu veux dire que tu étais au courant de tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Ouais. Je suis désolé, l'argent pour le traitement de ta mère était venu tardivement. Tes parents étaient au courant depuis tout ce temps? Ne les blâme pas, ils agissaient sous mes ordres. Donc c'est à moi le blâme. Toutes ces histoires ont vraiment l'air d'un film. Écoute, c'était pas facile pour moi, ok? Par ailleurs, je pensais qu'avec les 2 millions d'euros que je t'avais donné, tu pouvais commencer une affaire qui pourrait me soutenir jusqu'à ce que je revienne. C'est pour cette raison que je ne me gênais pas. Oui, c'est des vrai. On a été volé. Comment et par qui? Je ne sais pas. Ils étaient juste venus et ils ont ravi l'argent. Pourquoi tu souris? Kevin m'a dit que tu étais difficile à voir. Très bien. Mais à la fin, tu as déconné. Tu ne devrais pas accepter. Peu importe, c'était de la trahison. Bébé, 5 ans et pas 5 jours. Ma mère qui a toujours été mon réconfort n'était plus là pour moi. Alors, désolé, c'était pas ma faute. Ça va, j'ai compris. Ça va, d'accord.
not the pay, wuru wuru, not the pay. Even not the pay, but the genuine love would the pay. Arrogant, not the pay, not the pay. Wuru wuru, not the pay, yeah, boy. Cha cha. If I never knew, mama, yeah. What God has written, so it shall be. Whatever they are doing, open and get here. Maître Jésus, je suis sortie du bureau pour venir te dire ce que j'ai trouvé sur ta compte. Tu n'as pas besoin d'aller le vérifier dans une autre banque. Tous tes comptes ont été bloqués. Quoi? Comment est-ce possible? Je t'ai appelé parce que j'ai essayé toutes les opérations avec mes cartes. Ça ne t'aidait pas. Mes cartes sont devenues invalides. Tu ne sais pas ce que tu dois. Maître Jésus, je t'en ai mis, voilà pourquoi je suis sincère envers toi. Tu dois quitter le pays immédiatement. Madame, mon travail est fini. C'est quoi le problème? Pourquoi tu n'ouvres pas le portail? Et qui a mis ces cadenas? Madame, lorsque vous étiez sortie le matin, il n'y a même pas eu 30 minutes. Il y a eu des hommes armés qui sont venus ici. Ils ont verrouillé le portail. Ils étaient venus avec beaucoup de caméras. Les hommes armés? Oui, madame. Des caméras. Oui, madame. La seule bonne chose est que on va me montrer à la télé. Je ne voulais pas qu'ils entrent. Ils m'ont poussé. Ils m'ont jeté par terre comme du n'importe quoi. Je vais mourir. Oh. Mais qui sont ces hommes? Ils viennent d'où? Comment ils peuvent mettre des cadenas dans ma propre maison? Est-ce qu'ils en connaissent le propriétaire? Madame, moi-même, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Maintenant, moi, j'irai travailler où? S'il vous plaît, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que tout est en train de tourner en rond. Es-tu au bureau? Non, j'ai besoin de toi. Je vais venir au bureau. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
Comment ça, tu ne peux pas m'aider? S'il te plaît, mon chéri, mon amour, c'est moi. Chisholm, aide-moi, s'il te plaît. Tu ne peux rien faire pour moi? Ok, ok, bien, je connais, je sais tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, idiot! Allô, mon chéri, mon amour, aide-moi à sortir de cette situation. S'il te plaît, fais quelque chose pour moi, chéri. Attends, mon Seigneur, aide-moi à décompter ces problèmes. Je n'ai plus rien sur moi, je n'ai pas d'argent, aide-moi. Ma maison est fermée, même mon compte en banque est verrouillé. Je promets de ne plus faire la même bêtise la prochaine fois. Aide-moi, s'il te plaît, je n'ai que toi. Madame, s'il vous plaît, si vous avez un peu d'argent, donnez-moi, je vais... Qui est-ce? C'est quoi le problème? Oui, c'est quoi? Pourquoi tu n'ouvres pas le portail? Madame n'est pas là. Elle n'est pas là. Tu ne reconnais plus mon visage? Tu sais que je viens toujours par ce consentement. Ouvre-moi le portail. Il ne s'agit pas de vous connaître. Elle n'est pas là. Je vois que tu commences à perdre la tête. Tu es fou. Ouvre le portail. Ouvre Mais le portail. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ouvre madame, le portail. Vous faites du bruit. Ouvre ce portail. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Allez, ouvre. Gadwin, qu'est-ce qui se passe là-bas? Gadwin, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tracy, tu dois virer cet idiot. Hein? Es-tu malade? C'est ce que je suis, ce stupide. Peux-tu imaginer? Il m'a retenu dehors ici, il me dit que tu n'es pas là. Sais-tu qui je suis? Chisholm Williams, l'avocat Chisholm Williams. Désolé. Vire-les. Il travaille sur instruction. Par instruction? Oui. Quelle stupide instruction? Nous sommes au parfum. Nous sommes au courant de tout. Que tout celui qui veut s'associer à toi sera arrêté. Voilà pourquoi je me suis retiré. Je ne comprends pas. Tracy. S'il te plaît, je ne pourrais pas t'aider autrement de ma propre tête. S'il te plaît, pars. Ok? Tracy. Que je parte, donc ça veut dire que je quitte de chez toi. Chisholm, je t'ai prévenu. S'il te plaît, pars. Gadwin, entre et ferme le portail. J'ai reçu 5 sur 5. Tracy, tu ne peux pas me faire ça. Allez, Tracy. Hey. Tracy, ce n'est pas possible. Tracy. Précis, madame, s'il vous plaît. Précis, non, précis. Allez-vous-en. Je vais te faire arrêter. À l'aide. Que quelqu'un nous aide. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Allez, réveille-toi. Relève-toi, non? Aidez-nous. À l'aide. Lève-toi vite. Allez, non, ne meurs pas. Ne meurs pas. S'il te plaît, reste avec nous. Reste avec nous. Non, mon Dieu. Attends. Madame, aidez-nous, s'il vous plaît. Sortez-la. Venez nous aider, madame. Mettez-la à côté. Venez. Libérez-la. Venez, madame. Hé, du calme. Vite. Partons d'ici. Ok. Vite. Allez, on y va. On y va. Vite. Allez. Allons-y. Vite. Allez, on avance. Go. On avance. Allez, dépêche. Allez, vite. Devant. Je suis impatient de voir le jour où tu mettras au monde. Junior Dominus. Ngozi Doui. Ngozi quoi? Non, c'est un garçon. Laisse-moi me l'écouter là-bas de mon garçon. Ngozi Doui. Je t'ai entendu. Ngozi Doui. Je t'ai entendu, c'est un garçon. Junior Dominus.
Ewai, va voir qui est au portail. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de chez moi tout de suite. Je suis désolée. J'ai pas envie de te voir. Sors de chez moi tout de suite. Désolée, s'il te plaît, aide-moi. Non, 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 ma chérie, non. Sors de chez moi, j'ai pas envie de voir ton visage. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Bébé, arrête. Arrête d'abord. Qu'elle sort de chez moi. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Bébé, non. Arrête. Arrête ça, bébé. Va-t'en. Chasse-toi d'ici. Je ne veux pas voir ton visage. Va-t'en. Sors de chez moi avant que je ne perde patience. Va-t'en. Non, attends, attends. Bébé, arrête. Arrête, bébé. Sors. Va-t'en, je ne veux pas voir ton visage. Bébé, lâche-moi. Lâche-moi. Va-t'en. Bébé, mais pourquoi tu fais ça? Calme-toi, chérie. Va-t'en, calme-toi, chérie. Ma vie est complètement brisée. J'ai perdu ma maison. Ma voiture aussi. Toutes mes comptes bancaires sont oubliés. Je ne sais plus où aller. Je n'ai pas un endroit où m'abriter. T'inquiète pas. Je te pardonne. Tu m'as pardonné. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose comme quoi? Maman, c'est quoi le problème qui existe entre toi et Sœur Chichou dont tu ne m'as jamais parlé? Quoi? Oncle Patrick est mon père. Ndileka, viens, je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir, Ndileka. Ndileka! Hey, où suis-je? Nani. Ndileka, hein? Nani, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus voir. Je suis là. Où es-tu? Ne me vois-tu pas? Je ne vois pas ma mère. Où est-elle? C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Nani? Je ne vois plus. Allez, viens, on va à la maison. Viens. S'il te plaît, ne tombe pas. Je ne saurais pas te transporter. C'est quoi? Je ne vois plus. Mets-toi ici. Prends place. Oh. Assieds-toi ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé comment? Je ne vois plus, je ne vois plus. Comment s'est-il passé? Je ne vois plus. Arrête de crier. Mes yeux. Comment tu ne vois plus? Ils sont partis, mes yeux. Je ne vois plus. Hey. Ne t'en vas non. pas. Hein? Arrête de crier, c'est très étrange.
tu vas bien? Tu vas bien? Maman? Maman? Oui, maman? Maman! Menteur! Maman n'est plus. Elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-elle mourir? Maman! Menteur! Maman n'est plus. Qu'est-ce que tu dis? Comment peut-elle mourir comme ça? Où est-ce que j'étais quand elle mourait? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Je ne te crois pas, maman! Ma sœur! Maman est déjà morte. Elle ne plus. Non! 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 Non, ce n'est pas vrai! Non, elle ne peut pas mourir comme ça! Non, ce n'est pas vrai! Ça va, maman! Maman! Qu'est-ce qui m'était arrivé? Ça va. Maman, non, c'est pas vrai. Maman. Ça va, allez. Ça va. Maman. Papa, s'il te plaît, papa, pourquoi tu pleures? Papa, y a-t-il un problème pour moi, non? Maman, papa, papa, qu'est-ce qu'il y a, non? Je ne t'ai jamais vu verser des larmes. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, oh, papa est en train de pleurer. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Naïe, pourquoi tu pleures? C'est pourquoi tu pleures? Je suis aveugle. Je sais. Hein? Tu n'es pas le premier à être dans cette situation dans la vie. Arrête de pleurer. Hein? Comment tu peux couler des larmes juste parce que tu es devenu aveugle? Arrête ça. Hein? Je ne pleure pas parce que je suis aveugle. Alors pourquoi pleures-tu? Ma chérie, mon mari. Ma fille. Papa. J'ai une confession que j'ai envie de faire. S'il vous plaît, pardonne-moi. S'il vous plaît. Ok. Je veux faire cette confession parce que je sais que la mort est la seule chose qui me reste maintenant. Papa, il dit ce genre de choses, non? Est-ce que je veux mourir? Allez, mon mari, s'il te plaît, arrête. Pourquoi tu dis ça? Je ne mérite pas d'être en vie. Je ne mérite pas d'être en vie. Allez, vas-y, fais ta confession, comme ça tu vas te pardonner. Parle-nous. J'ai tué Norma. Hein? Papa? Hein? Je l'ai empoisonné. Papa? Allez, mon mari, réunis toutes tes forces. Parle. Je dis, j'ai tué Norma en l'empoisonnant. Hé! Hey! Papa! Papa, tu es méchant. Comment pouvais-tu? Je suis désolé. Donc tu es aussi méchant comme ça et sans cœur. Tu as ôté la vie d'une femme innocente. Papa, tu es très méchant. Tout ce que vous voulez, vous avez droit de le faire. Mais ce n'est pas tout. J'ai détourné l'attention de Tison, de sa mère, quand j'ai découvert qu'elle est mon enfant. Tison est ton enfant? Tison est ton enfant? Papa, oh. Non, et pourquoi? Comment est-ce que je me demandais pourquoi? Je me demandais toujours comment tu pouvais haïr nos mauvaises passions. Je le savais.
je le savais. Je suis désolé. Je suis désolé. Papa, tu es méchant comme ça. Maintenant que tu as fait ta confession, tu peux mourir. Allez, meurs. Je ne peux plus rester ici et entendre de tes œuvres diaboliques. Je n'ai jamais su que je restais avec un homme aussi malin. Allez, laisse-moi, ne me touche pas. Papa, tu le mérites. Tu mérites même plus que ça. Tu es méchant. Je te jure, si tu oses me toucher avec ta main, je vais oublier que tu es mon père. Tu es méchant. Papa. Papa, tu les mérites, tu les méchant. Tu les mérites. Maman, s'il te plaît, je ne faisais pas une blouse. J'étais envoûtée par l'oncle Patrick. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. Maintenant, je connais la vérité. Maman, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ainsi, je prie au Tout-Puissant que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Je te souhaite un repos éternel. Give me a gun when you're sleeping in the deep.